J'espère que ce sera pas trop désagréable, mais... Ouais, j'ai envie de dire, je peux pas faire des miracles. C'est bizarre, bizarre. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai juste un peu les chocottes. À me dire, est-ce que vous avez un bruit aigu de l'arsène en arrière-plan qui ne devrait pas exister et que je n'arrive pas à chasser depuis tout à l'heure. En dehors de ça, ça semble opérationnel. Moi, je m'en remettrai à vos observations que vous nous ferez spontanément dans le chat. Bref, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite matinée Gran Turismo. J'ai envie de vous dire, vous me connaissez. Alors ça, c'est une course que j'ai faite, que j'ai pas achevée malheureusement, parce que j'étais perdant. Je crois que j'étais condamné à être 3ème sur les 6 embarqués. C'était une course d'endurance que je me suis faite en semaine, un soir. Et du coup, j'ai acheté un ralenti parce que c'était beau. Puis vous voyez que j'ai dégommé le beau bolide qui est la Mazda 767B, je crois son nom. Enfin bref, c'est un prototype 24 heures du monde de Mazda dans les années 2000. Qui est excellent, qui en plus qui est plus léger que je ne pensais, donc il y a moins d'usure des gommes. Et je l'ai gagné en gros en déverrouillant le permis spécial. C'est ce qui me manquait en fait dans ma carrière de Gran Turismo 3. Et je me suis fait ça plus tard dans la semaine. J'ai fini par déverrouiller les. Il me manquait deux tracés sur les 8 du permis spécial, puis j'ai réussi à les faire. Donc c'est cool. C'est cool. Donc du coup j'ai accès à toutes les compètes. Je sais pas si on s'en fera une de très dur, de il faut le permis spécial là. Je crois qu'il y a que 3 championnats. On se les fera pas aujourd'hui. J'ai pas envie de me prendre la tête. Il faut vraiment avoir un haut niveau. Mais j'ai vraiment peur qu'il y ait un bruit de l'arsène, je sais pas quoi là, de vie. Je sais pas d'où ça vient. Alors j'espère que vous l'avez pas sur le direct parce que c'est un coup à avoir la migraine. Voilà la 787B. Salut. Bonjour salut, Olive. J'espère que tu vas bien. C'est une vroom vroom partie. Ouais, ça va bien, merci. Ouais, j'espère que toi aussi. D'entrée de jeu, Gobi 2001. Ouais, bien. Bien. Pourquoi pas, tiens. Avec ma proto. Alors là, par contre, comme je suis dans la Ligue Pro, là, ça va être vraiment long. C'est déjà le championnat, ça dure 2h, 2h30. Ça va peut-être nous occuper toute la matinée, puisque je suis avec vous jusqu'à 13h. Mais à 12h45, vous voyez, comme je l'ai déclaré dans l'interface, on fera le tableau mystère, on fera un pointage. Non ! Ah, ça me fait chouer d'avoir une sœur jumelle, là. D'avoir une autre 787D. J'aimerais avoir un autre tirage où on n'est que 6 embarqués sur la ligne de départ, qu'on soit tous différents. Ce serait cool, quand même. Ah, merde ! Ah, tu l'entends, Olive ? Merci pour le retour, hein. Mais alors, j'ai réussi à atténuer cet étrange bip qui donne mal au crâne. J'ai bidouillé une petite demi-heure ce matin. Mais j'explique pas le comment du pourquoi. À moins que. Attends. Oh putain, mais c'est pas vrai, il me remet la 787B à chaque fois. Attendez. Mélangeur de volume. Est-ce que ça viendrait pas de mon Discord? Non, c'est pas ça.
Ouais, là vous m'entendez à nouveau, mais avec le bruit horrible. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a le... C'est dingue ça. Ou alors j'ai un faux contact? Attendez. C'est trop bizarre. Pourquoi j'ai ça quand j'ouvre le micro? Non, c'est pire. Ah ouais, non, c'est un... Je peux pas vous laisser ça, c'est un truc à avoir la migraine. Comment j'en suis arrivé à ça, moi? Attendez. Voilà! Je suis passé en mono sur le micro. Bonjour Dragon Sky, j'espère que tu vas bien. J'ai un satané bruit de très aigu qui m'accompagne quand j'ouvre le micro, j'essaie de le chasser depuis une demi-heure, j'y arrive pas. C'est trop bizarre. Ouais, toujours le bip, ouais, je l'entends aussi, mais c'est pas normal. À moins que je puisse changer ça, mais alors, attention, je vais faire un effet de Larsen, mais c'est pour moi avoir un retour. Ouais, on entend le truc horrible. Ah. En fait, je peux déjà l'atténuer électroniquement. C'est trop bizarre. Là, c'est pas mieux. Mais pourquoi il veut pas que j'atténue mon... Ah si. Si vous m'entendez distinctement. Attendez, je coupe la zig. Là, ça m'a l'air d'être raisonnable, il y a l'air derrière moi le bip. J'ai presque quasiment la sensation d'avoir atténué le bip, mais le souci, c'est que j'ai perdu en intensité de voix. Parce que j'ai dû atténuer de 15 décibels mon microphone. Ce qui est normalement pas normal, hein, mais j'ai pas changé mes réglages normalement, donc c'est trop bizarre. C'est mieux, mais ta voix est un effet tête dans le bocal et on t'entend faiblement. Bah ouais, mais c'est lié à la parade du bruit très bizarre. Mais merci de ta description précise, Olive. Parce que j'ai une molette sur le microphone de volume d'intensité. Alors, si je reviens au réglage d'usine qui est à 50%, je suis pas sûr que ça améliore. Alors là, c'est horrible. Là, je remets le son normal, mais il y a toujours le bruit parasite. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, c'est d'un chien. J'ai enfin récupéré mon ancien compte Gmail également tué depuis hier soir. Grâce à mon numéro de téléphone, je suis. Oui, bah oui, bravo à toi. Oui, c'est bien, Dragon Sky. Oui, j'ai vu brièvement la notification que tu m'avais faite dans Discord. C'est cool, c'est cool. Ouais, non, c'est bien. Non, mais de l'importance de déclarer son numéro de téléphone pour pouvoir revendiquer la propriété du compte. C'est primordial. Et dès que vous pouvez faire sur le service en ligne la double authentification, faites-la.
Aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Avec le foutoir qu'il y a sur Internet, c'est vraiment indispensable. Attendez. Ouais, mais c'est l'audio du PC en fait que je suis en train de modifier, pas le. Pas l'entrée micro. Merde, comment je fais pour casser les aigus? Il me faudrait pas ce qu'on appelle l'equalizer et puis je. Quick. Oula. Merde, homme. Non, il faut que je bidouille au niveau du micro. Oula. Si je fais en solo. Là, normalement, on n'entend que ma voix, je me trompe? Mais je me entends plus. C'est bizarre. Là, je suis censé me mettre en solo. Et là, pourquoi dans audio de PC, je m'entends plus? Bah si, mais c'est pas normal que mon micro fasse ce bruit-là. Moi, ma plus grosse crainte, c'est que mon ordi vieillit. Et parfois, vous savez, j'ai ma webcam qui me lâche. C'est parce que j'en demande trop en USB. Et mon ordi tient plus la charge. Donc il peut être perfectible aussi dans d'autres périphériques. Mon micro est en USB. Donc il peut me faire un truc de merde parasite parce qu'il dit j'en ai marre, je suis au bout du rouleau, je suis vieux. Voilà. C'est con, hein, l'électronique, c'est pas infaillible. Donc j'ai peur que ce soit ça. Non mais t'en fais pas, Olive. Ne t'en fais pas. Que si je fais ça, je pense pas que c'est. Non. J'entends mon retour un petit peu. Attends. Ouais, c'est dans les aigus. Hein. Ah, c'est bizarre. Si je fais ça, ça doit être très étrange. Je sais pas. On va voir un petit peu comme ça, puis je vais me lancer dans ma course. Eh bien. Bon, moi j'espère que c'est pas trop désagréable, hein. Merci à vous de m'avoir fait vos retours au niveau de la qualité du son. Retour 24 heures du monde. Voilà. La Tesse 020, c'est la meilleure, là, la voiture rouge. C'est la Toyota GT1 qui a failli remporter le Mans. Je suis sûr qu'elle a remporté une édition du Mans, je sais plus. En 99 ou en 2000. Enfin bref, c'est la meilleure voiture du jeu, je l'ai pas encore. Mais dès que je l'aurai, celle-là, ça va être le plus. Bon, faut que j'arrête de faire n'importe quoi avec mon proto, là, je suis en mode tombé. Et tout le français. Bon, toujours le même problème du début, c'est les gommes à froid en bleu. Quand je mets dans le vert, je fais beaucoup mieux. Ouais, le new Twitch. Ah, d'accord. Oui, ouais. Bah, tu sais, ça te fera un compte de route secours dans la Sky. On sait jamais. Regarde les coordonnées précieusement de ton compte de secours là avec Tilly. Si un jour t'as un nouveau un pépin, ça fera un autre secours. Quoi. Mais c'est cool, c'est bien.
Ah merde! Ah oui, et en plus vous voyez avec un mini micro là, casque au niveau de la bouche, mais en fait pour tout vous avouer, c'est normalement là dans l'immédiat ça sert pas, mais je suis connecté avec ma tablette sur Discord, mais je suis sur le Discord de l'ami FunFan. Parce qu'en fait, on s'est amusé comme des gosses hier soir sur Worms Armageddon. L'ambiance était tellement bonne en papotage que je vous avouerai, je suis littéralement allé me pioter et je me suis endormi en fait avec le casque micro sous la causette. Donc je pense que ceux qui étaient dans notre vocal privé hier soir peuvent témoigner de comment je ronfle. Je leur ai dit, les gars, j'en ai rien à péter. J'ai plaisir de vous entendre faire la causette et je vais m'endormir en votre compagnie, donc ils ont dû m'entendre ronfler au bout d'un moment. Mais c'était bizarre moi hier sur Nancy, là j'ai entendu des feux d'artifice. Je me demande ce qui s'est passé. Ou c'était pas un jour officiel de célébration ou je sais pas quoi. C'était vraiment bizarre. Si c'est un feu d'artifice privatif que j'ai entendu, punaise, le mec il avait du flic. Hein. Et ça avait duré un bon bout de temps. Ah, j'ai oublié de vous remettre la zig de. Oh là là, j'ai tout faux. J'ai fait la causette, mais je pourrais vous mettre un peu de musique. Ah, c'est particulier, oh, plus je sais qu'il y en a qui aiment le. Pardon, je sais qu'il y en a qui aiment la ASMR, alors. Mais moi, j'étais content d'avoir le bavardage avec les copains juste au bout, quoi. On était vraiment dans une très bonne soirée. Et en fait, on s'est. Il y a FunFan qui est en fait. Qui est un grand professionnel là-dessus, il est très fort, il nous a fait l'action hier, c'était impressionnant. Du jeu Worms Armageddon. Si je comprends bien, enfin il vous le dira évidemment mieux que moi, je crois qu'il y jouait avec son frangin il y a 20 ans déjà, quand ils étaient ados, et du coup il le connaît sur le bout du doigt le jeu. Et c'est vrai que, vache, il a une dextérité, mais franchement il nous a dégommé hier soir, c'était un truc de fou. Et on s'est marré comme des fous furieux quoi, hier soir, entre le nombre de copains. Et voilà quoi, dans l'ambiance avec le Discord, je lui ai dit écoutez les mecs, je vous écoute via le Discord avec ma tablette et pas l'ordi. Donc je peux monter dans mon climat, dans ma poule et vous faire la causette jusqu'au bout quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Bonjour FunFan, bonjour Frodoze. Mais je voulais pas vous déranger parce que je voyais encore actif dans le Discord ce matin. Je sais pas si vous avez dormi de la nuit du coup. Je dis, tiens, discrètement, je vais faire ma matinée sans vous rendre compte de rien. Ce que j'étais en train d'expliquer à Olive et à Dragon Sky. C'est-à-dire que vous avez le droit de l'ASMR avec moi cette nuit, moi en train de ronfler. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin. Message de FunFan 1992, pour un temps il n'y a pas moyen que je suis host dans Worms Emoticon triste. Il n'y a pas moyen que quoi? Ah, tu peux pas être host. Ah ouais, ouais, t'as un point de... Ouais, non mais ça, maintenant je suis quasiment certain par rapport à ce que j'ai observé hier soir, c'est qu'il y a le pare-feu de ta box internet, ta B-box, qui t'envoie pêtre au niveau du pare-feu. Donc c'est des ports à régler, je sais pas c'est lesquels par rapport à Worms Armageddon. Et de toute façon, il faudrait rentrer dans l'interface obscure de ta box. C'est chiant. Moi, je souhaite de David de dire, bon bah c'est chiant pour toi de pas pouvoir être hôte.
Mais quand tu invites quelqu'un pour du Worms bon Armageddon, demande à ton invité d'être l'autre, justement. Bon, si ça devait être moi, tu me diras tes paramètres, ce que tu souhaites paramétrer dans le jeu, avec plaisir. Mais oui, je comprends que ça te paralyse. Bah, bon, c'est la faute à ta box. En même temps, on peut se saluer le côté qu'elle soit fermée. C'est un bon point au niveau de la sécurité internet. On peut pas. Moi, en tant que technicien informatique spécialisé dans les réseaux, je vais pas. Tu vois, je vais pas couler le scandale, au contraire. C'est bien que ce soit aussi bien protégé que ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est juste que toi, niveau loisir, c'est emmerdant. Mais. Moi personnellement, j'ai plutôt tendance à saluer le côté protection de la config. Attendez, je suis en train de prendre conscience qu'on est quasiment à mi-course. Alors certes, j'ai fait n'importe quoi au début de la course, mais la TS-01 qui est largement devant, je peux pas remporter le championnat, là. Je suis complètement dominé. Ah ouais, même plus de 30 secondes. Le temps d'un arrêt au stand, c'est 20 secondes. Donc je suis complètement entubé là. Excusez-moi du coup, mais je peux pas gagner le championnat. Waouh. On va voir. Je vais aller au bout de cette course là. Mais si je me rends compte que je suis vraiment dominé, je vais pas tenter un championnat où je suis quasiment perdant quoi. Si, je vous entends fan. C'est juste que je vous entends depuis la tablette. Alors que j'aimais depuis le... Non, vous m'entendez pas? Oui, là, je vous entends depuis la tablette. Non, mais c'est pas une gêne, c'est sympa parce qu'en fait, vous pouvez débiter des horreurs. Mais c'est très bien. Mais de toute façon, j'avais fait délibérément, sinon vous pensez bien que j'aurais pas pris mon micro-casque et machin. Mais... Non, mais vous pouvez rester me faire la causette dans l'oreillette, vous êtes un peu ma régie. Vous pouvez débiter des horreurs, c'est sans conséquence, on vous entend pas sur mon direct Twitch. Et ça m'empêche pas de suivre le chat, ouais, c'est rigolo. Ça censure. Oui, c'est la box qui fait barrage. Ouais. Et ben moi je suis de théorie de dire que même Machi marchera pas parce qu'en fait en amont la box internet elle fait son boulot, en fait elle filtre. Oui, c'est ça, il faut ouvrir les ports de cet ordre-là au niveau de TCP/IP ou de l'UDP/IP. Mais le problème, c'est que là, je connais pas techniquement lesquels sont sollicités par le jeu Worms Armageddon. Voilà, donc pour ceux qui l'auraient pas compris sur mon antenne, et je suis en train d'expliquer du coup dans mon canal de com, là, le microcast sur mon crâne. Au niveau du Discord de FunFan, je suis en train du coup de rediscuter des problèmes techniques. Le fait que FunFan puisse héberger une partie de Worms Armageddon, c'est quelque chose qu'il vous proposera sur sa chaîne. Vous nous verrez entre bandes de bons copains. Vous verrez au stade des délires, ça vaut franchement le coup de voir ça, quoi. Mais bon, le pauvre FunFan, là, dans les médias, il ne peut pas héberger la partie. Parce que sa box internet verrouille tout, par sécurité. J'arrive pas à me dire que j'arrive à piloter et à me faire la causette et à regarder un œil sur le chat. Merci Dragonstein qui donne déjà les détails techniques pour solutionner le problème. C'est chiant,
Non, non, c'est en fait ça, l'ouverture des ports, il faut le faire directement dans l'interface de la box. Donc il faut que tu interprètes ta box depuis ton navigateur internet. Et c'est vrai qu'en fonction des interfaces, c'est pas forcément top. Eh ouais, les joies de la cuisine réseau informatique. Je sais plus comment c'est le son de la marque, je sais plus. Mais c'est bien, merci à DragonScan qui donne les détails techniques. Faut en prendre note d'ailleurs, c'est bête, mais... Ah, Olive qui... Marie-Gaine Blanche. Merde, je regarde plus la route. Et c'est la première fois que ça sort, Marie-Gaine Blanche. Bien joué. Non mais t'étais redoutable hier. Ce que je disais tout à l'heure, t'étais redoutable pour le faire. On voit que t'as énormément d'expérience sur le jeu. Ça c'était génial. Alors, pour ceux qui s'étonnent pourquoi je souris largement à l'écran sans rien dire, c'est parce que FunFan, là, dans l'oreillette, qui est en train de dire des sottises, mais bien amusantes sur Samuel Etienne. Jusqu'à changer de fournisseur d'accès internet, c'est radical comme solution. Non, non, mais franchement, moi je salue la sécurité. Mais c'est bien le coup du NAT. Alors en fait, pour parler un peu technique, NAT ça veut dire Network Address Translation. C'est-à-dire, c'est. Une translation, comment on peut traduire ça en français, une substitution d'adresse réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut distinguer l'IP public de l'IP privé. Quand vous êtes dans votre petit réseau chez vous à la maison, votre petite cuisine, les identifiants de vos machines connectées en réseau, elles ont un identifiant privé. Mais le problème, c'est qu'Internet, on est énormément nombreux à se connecter sur une petite planète en réseau. Et Internet, on se voit tous attribuer une IP publique. L'IP publique nous est attribuée par notre prestataire de service qui nous donne accès à Internet, les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI. Et le problème, c'est que lorsque votre box Internet à la maison doit faire ce qu'on appelle la passerelle, c'est-à-dire sortir les données de votre réseau privé vers le réseau public qui est Internet,
il faut faire une substitution en fait d'adresse. Parce que évidemment, si tout le monde devait décliner publiquement ses adresses privées, il n'y aurait pas assez d'emplacements, on va dire, de places de parking libres pour revendiquer tous les ordi que nous avons chez nous. Et en fait, il faut les regrouper sous une seule et même bannière qui est publique. Et ça, c'est la cuisine des fournisseurs d'accès Internet. Et le NAT, c'est ça en fait. C'est le Network Address Translation. Voilà. J'ai essayé de vulgariser en fait cette science qui est un protocole propre, hein, c'est-à-dire c'est une manière d'organiser l'information sur un support donné, donc là c'est le réseau Internet. Mais vous saurez que le NAT, ça désigne ça en fait. C'est un peu d'ailleurs, pour faire un truc imagé, c'est un peu si on s'interpellait nous humains avec notre numéro de sécu et non pas de prénom. Mais en fait, pour simplifier les choses, pour un même foyer, on va dire sur Internet, on est reconnu par nos noms de famille et non pas par nos prénoms respectifs, alors qu'à la maison, on s'appelle tous par nos prénoms. Bah, c'est un peu pareil en fait, vous voyez, avec les ordinateurs, il faut voir le NAT comme ça. Je trouve que c'est une image, une métaphore assez proche de la réalité. Si ça vous permet de vous représenter tout le schmilblick, toute la cuisine que ça représente au niveau des box internet. Voilà, évidemment, je vous parle comme un passionné. Mais voilà, Technique 5, je suis. qui dit Fun Fan? Il dit sécu. Comment ça? Termine ma course et évidemment je vous lirai intégralement dans le chat. Vous en faites pas, c'est mon dernier tour. Ah, la sécurité sociale, d'accord, je viens de comprendre. Ok, enfin, heureusement que tu m'as sifflé ta réponse dans l'oreillette, comme on dit. N'importe quoi. C'est bien, vous êtes déchaîné ce matin, ça fait du bien de vous entendre aussi bien en forme que c'était hier soir. C'est beau cette continuité de joie et de bonne humeur, ça fait du bien. C'est l'arrivée, mais alors les deux devants m'ont mis un vent. Et là, les pronos, ça va être violent. Chut, 1 minute 12. La violence. Non mais on va pas se voiler la face, il faut que je me désengage de championnat parce que je fais pas le poids. Si on me met plus d'une minute, je fais pas le poids. Bon, j'ai été très brouillon, hein. J'ai la causette dans l'oreillette, j'essaie de vous lire en direct dans le chat, donc ça fait pas pro en concentration de pilotage, mais c'est quand même violent. C'est quand même violent. Ah, mon pauvre Dragon Sky, t'as pas beaucoup dormi à cause de la chaleur. Ouais, c'est chiant quand c'est moite, ouais, c'est horrible. Non, moi j'ai dû dormir comme un loin, parce que je crois. Je sais plus quand j'ai demandé au copain à quelle heure je me suis endormi, j'ai même pas fait gaffe. Il était quoi? Il était pas 23h, 23h30 quand je me suis endormi. Et je me suis réveillé vers 8h et des brouettes. Chat, hein. Attendez, je regarde si j'ai pas loupé un message à la part. À tes souhaits, Fun Fan. C'est limite si tu ne m'as pas explosé le tympan.
que bien regarde ton chauffeur. Les caméras que t'as fait. Je relis toujours le chat, hein. Là je suis arrivé sur le chat à voir si j'ai rien loupé. Oui, je sais que je suis toujours dans ton canal vidéo FunFan. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de vous entendre. Ce qui me fait bizarre, c'est d'entendre mon recours en fait via le Discord avec 15 secondes de décalage. C'est un peu flippant, mais bon, je finis par m'y faire. Non, mais c'est bien ce qu'a fait Dragon Sky. Merci, il a le coup d'avoir les ports 6167 et 17011. Ça, c'est un truc qu'il faudra que t'en prennes note, FunFan. Il a tout compris dans le Sky. En fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est très juste ce que dit Dragon Sky. Bien, t'es un chef. Bon, il y a la Marigane blanche pêchée par Olive, excellent, c'est bien pour le moment, elle a que des prises. Ah. Ok. Oui, le strict, le modéré et le ouvert. Ouais, bon. Pardon. T'as fait 6h, 9h du mat à mon compte dans Sky, ah oui tu vas complètement défoncer. Bon. Je vais me désengager du championnat parce que là franchement on regarde les chronos, franchement ils me mettent un vent. Je dois l'avouer, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Il faut que je m'engage dans un autre championnat. Tant pis. Il reste d'autres en catégorie inférieure. Ligue amateur, j'ai pas tout fait dans Ligue amateur. Que je fasse le point avec vous. Ah si, j'ai tout. Merde. Sérieux? Ah putain, je croyais qu'il me restait les championnats en Ligue amateur. Non, je suis vraiment condamné avec pro. Ah, on a quand même bien avancé. Hein. Non, c'est pas une avant-avant, ma 787 aussi. Non, ouais, non, c'est pas. Ouais, le Games Ranger qui a pas. Ouais. Qui solutionne pas le coup. Alors normalement ça ne va pas fonctionner. Normalement. Ça fonctionne pas. Pardon. Grand Turismo All-Star. On va voir. On va voir si je suis à mon avantage dans ce championnat là. Oh là là, il va déjà être 10h. Le temps fuit. Là, je devrais avoir l'avantage, là. Je dis bien normalement. 15 tours. Oh, la durée des courses. Alors là, je fais face à des voitures de Grand Tourisme, alors que moi, je suis carrément en prototype. S'il ferait que t'es sur le papier, je suis censé avoir largement l'avantage. En théorie seulement. On va voir ce qui va se passer. Mais si je me promène tout le monde du championnat, ça va être un régal. Ça veut dire que là tout à l'heure, au bout de mes nouveaux rounds, je vais avoir une voiture en récompense. Et puis la coupe. Ce qui fait que je vais avancer dans ma carrière dans les stats. Quoi. Je vais avoir une coupe en or supplémentaire. Alors du coup, c'est quoi la voiture qui se distingue devant moi là? C'est une Subaru ou une Impreza. Je suis surpris de l'attitude qui se distingue. Parce que en dehors de moi, la sélection me semble plutôt équilibrée au niveau puissance-performance. Oh, j'ai failli faire basculer ma. En ralenti, ça va être beau de voir mon poteau sur le haut. Alors, pardon, évidemment, je vous relirai après la course. Ça va durer un petit moment là. À mon avis, la course va durer 20 minutes au moins.
mais je prendrai le temps de monter le chat, ne vous en faites pas. Oh, je suis brouillon, je suis un peu sec avec la... avec la tuture. Là, en plus, je suis en bataille avec la... et la deuxième place. Et c'est vrai que c'est une vraie gymnastique intellectuelle d'essayer de rester concentré sur la course et d'avoir une conversation auquel on essaie de se détacher à l'oreille. C'est terrible, hein, mais c'est une gymnastique intellectuelle que je préfère faire ça toute la journée parce que à mon avis, vous avez la migraine au bout de 5-6 heures comme ça. Eh, hey, c'est plus disputé que je ne pensais. À mon avis, là où je vais gagner, c'est le fait que je pars en plus quand même. C'est vrai, je pense que je vais pouvoir garder mon temps de plus tout le monde de la course. Bon, là, j'ai fait de la mouise, je me suis laissé bluffer par l'autre devant. Oui, j'ai eu un doute sur mon freinage. Là, je voulais délibérément aller dans le sable parce que j'avais peur de me taper la pile de plomb en face. J'aime bien, j'ai un retour de son, j'entends comme fan clavarder. Faire usage de son clavier et d'entendre Fun Fan en mode dactylographie, là ça me fait marrer. La box internet du docteur Boutique. Ça y est, Fun Fan qui part dans son délire. Mais c'est vrai que docteur Boutique, là, on parle, hein, pour ceux qui ne savent pas, de docteur Ivo Robotnik. On l'appelle docteur Boutique suite à un correcteur orthographique un peu trop sévère sur le téléphone à Fun Fan. Mais du coup, c'est un sketch redondant chez nous. Sonic, faudrait que j'y rejoue, je sais pas quand, mais j'y rejouerai avant la fin de l'été. C'est vrai que c'est un jeu vraiment sympa. Bon, je vais peut-être essayer de retourner dans le rythme de la course, là, je suis nerveux. Hein. Bon, il est vrai que j'ai pas encore les thématiques à température, mais je suis pas bon. Oh, les sadiques! Ils sont en train d'élaborer la théorie comme quoi de me raconter des vannes dans l'oreillette pour que je sois contre-performant sur le tracé. Oh, les vilains! Je suis à peine au premier tir de la course, ça peut me trouver une vanne un peu tard. Et là, t'as un carbone devant toi. Non, on a dit une vanne, pas une chanson. Et bien sûr. Oh là là. Et me vient une idée là avec les vannes qui me balancent en disant que parmi les concurrents au volant, il y a le docteur Boutique dans l'une des bagnoles. Il y a... Alors, je sais pas si je l'ai encore, parce que c'est peut-être un vieux CD que j'ai en sale état. Il y a eu un excellent jeu de course Sonic, la Sonic Air, Air for Racing. Et effectivement, il y avait le docteur Boutique, donc le docteur Robotnik, qui était dans son aéronef là, habituel pour les fans de la série du Sauvé de quoi je parle. Et c'était pas mal. Moi je me souviens que le jeu il était pas dégueu. Mais ça fait des années que j'ai pas joué quoi. J'ai fait n'importe quoi, je suis dans le bac à gravier. Je fais mon genre allez-y, il a pour jouer avec mes amis. Ça parle mal. Petit à petit je suis le dernier en fait.
Oui, votre assiette en question, ouais, c'est votre assiette célèbre américaine, je ne sais pas exact. Je confirme ton propos dans l'oreillette frobeuse, c'est ça. Ah oui, je suis soigné pour une PS2. Hein. Non, c'est la PS2. Hein. Ouais. Et encore, il y a plus beau, c'est-à-dire il y a le Gran Turismo 4, hein, avec des circuits beaucoup plus de circuits réels dans le Mans. Et c'est toujours de la PS2, on le verra plus tard. Quand je lancerai la PS2. Oh, la PS2. Quand je lancerai le Gran Turismo 4. Non, déjà pour l'époque. Mais Gran Turismo, hein, c'est la vitrine de Sony au niveau performance graphique. Hein. Ils ont toujours fait des trucs soignés. J'ai rien changé dans mes paramètres de. Je réponds à une question, un fan qui trouve que ma diffusion est plus claire, plus jolie. Mais je tiens à préciser que je n'ai rien changé dans la technique à ce niveau-là. J'ai pas changé les paramètres, j'ai pas changé mon matos. Donc normalement c'est censé être la même chose. Après, est-ce qu'il y a eu des. Est-ce que Twitch est plus généreux pour moi et pour je sais pas qui en début de diffusion peut-être. Mais là c'est pas de mon sort quoi, si ça devait être ça. Mais non, moi j'ai rien changé. Là le seul truc qui est nouveau et qui m'embête, c'est donc le coup de bruit aigu qui accompagne le micro depuis aujourd'hui. Ça je n'explique pas. Bon, au moins vous avez le spectacle. J'ai beau être nul, je suis toujours en train. Je fais n'importe quoi. Je suis toujours en train d'avoir une bagnole devant moi. Donc au moins je vous ai du beau spectacle. C'est juste que je suis beaucoup performant. Je devrais être premier là théoriquement, pas dernier. La honte. Attends, sérieusement, je vais essayer de me concentrer parce que j'arrive à la mi-course et d'être dernier là, c'est une honte pour moi. Je devrais les dominer largement et je fais moins pour déjà 26 secondes d'avance. Je lui offre carrément un arrêt au stand pour un gratos ça. En disant ça. Ça y est, j'entends Fanfan qui se marre, il est en train de débiter des arrêts sur mon chat alors que j'en regarde en fin de course. Je reconnais ce rire de Fanfan qui veut dire chic, je me marre de mes âneries. Non, je me fais. Oh non, quelle horreur! Je me fais embarquer sur le vibreur, le terrible ferraille. Ça le fait de faux monter sur un vibreur et ça fausse votre direction. Tant que vous n'êtes pas sorti du. Tant que vous n'êtes pas sorti de tout du long du vibreur. Non mais je fais un truc lamentable. Un coup, j'ai honte. Mais c'est vrai que à réfléchir là, je fais une synthèse en fait des échanges que j'ai eu toutes et tous. Et je vous en remercie hein, parce que c'est vraiment super cool d'avoir une bande de copains comme vous pour changer les idées au quotidien. Mais je pense que je suis amené sur mon canal, là, évidemment avec votre accord, je voudrais tout à chacun avec vous, de faire des jeux en commun. En fait, je me rends compte que j'en fais plus, enfin de plus en plus. Et c'est bien, ça va permettre de varier les goûts, les plaisirs, les couleurs sur mon canal, sur différents jeux, puis différents groupes de personnes en fait. Chacun a ses préférences quoi. Moi vous voyez j'approche pas trop. Je suis pas spécialement friand des jeux de stratégie qui font par exemple Froboz et Fanfan, tout ce qui est les Cossacks là et Age of Empire, mais j'ai plaisir à être spectateur de ça. Alors que évidemment je suis moins impliqué et je suis on appelle ça celui qui propose tout ce qui est mini-golf, le Tetris avec les magiciens, le Tricky Towers. C'est sympa de varier les genres et les participants. Et je pense que ça va t'amener à s'étoffer dans les prochains mois.
Je risque de vous proposer d'autres jeux aussi en multijoueur, mais pas forcément avec les mêmes personnes. Enfin bref, je verrai avec les intéressés. C'est merci à vous, parce que c'est une expérience beaucoup très intéressante, très sympa. Oula, il y a un fou furieux qui a klaxonné du côté de chez FunFan. Ça a fait bizarre d'entendre un vrai klaxon. Mais et, le coup là d'avoir mon micro-casque sur le crâne glissé sur la tête alors que je suis en train de piloter. Mais je suis assez proche finalement de la condition réelle des pilotes de course, parce qu'en général il y a plus une oreillette en lien avec leur écurie. Enfin, quand le championnat l'autorise. Les championnats n'autorisent pas ça. Mais là on pourra croire que je suis en lien avec mon commissaire de course depuis les stands, qui me donne des infos de stratégie par rapport à la course. Mais il me tient à cœur, je peux sacher pas quand j'aurai une meilleure carte graphique. Il faudra que je lui fasse le Motorsport Manager, le fait d'être un chef d'écurie et non pas pilote, pour gagner une course, c'est... Enfin, bref, c'est toujours de la course automobile, mais vu depuis la coulisse de l'écurie, alors je vous en ferai beaucoup moins que le pilotage en soi, là, que je suis en train de vous faire, mais là aussi, en tant que passionné, je vais vous parler de plein de trucs, et ça me tient à cœur de vous montrer ça, histoire que vous fassiez une idée de la discipline, quoi. C'est très sympa à vivre aussi. Voilà, je fais n'importe nawak. Non mais là j'ai honte. Hein. En fait, je vous l'avoue, je suis pas concentré. Le plaisir est là, hein, c'est l'essentiel. Mais je fais n'importe nawak. Hein. Je me fais avoir par mes gommes. Alors maintenant, elles sont en température idéale, mais je ne maîtrise plus mes gommes. Il reste un tiers de la course. Enfin, le meilleur coup, ah bah, le meilleur coup c'était précédent le même pour Iron Salut. Ok. Si je me rassois bien, je me concentre. La sortie de la course, je boirai un coup parce que je commence à avoir les yeux secs. Alors, je vais te faire l'annonce en brut là pour tout le monde. Toi, le premier intéressé, mon cher Twinsen, tu vas être en joie. Puisque je t'annonce que j'ai pris renseignement, je vais m'acheter la trilogie et l'intégrale, c'est-à-dire avec les contenus additionnels complets. Je vais m'acheter la trilogie de FIR. Donc, reste à savoir quand est-ce que je vais faire FIR sur mon antenne. Mais ça va venir, j'ai envie de dire, plus vite que prévu. Donc, j'ai eu écho assez récemment que c'est un classique qui est vachement bien, FIR, que je connais pas du tout. Donc, ne me dites rien dessus, parce que je vais découvrir en direct sur mon antenne. Si l'œuvre porte bien son nom, là, je vais me faire dessus, puisque c'est censé foutre la frousse. Donc, j'en connais qui vont se fendre la poire. Surtout si je suis tout aussi tétanisé ou en PLS que je l'ai été pour Slender. Voilà, je sais pas quand je le ferai, mais à mon avis, ce sera avant Noël que je vais commencer le premier. Je vais en faire acquisition dans les prochaines heures, hein, comme il est pas cher soldé. Comme ça, j'aurai l'intégrale de FIR et je ferai au moins le premier, je pense, pour cette année. Voilà la bonne nouvelle qui concerne principalement Twinsen, puisque Twinsen me l'avait mis dans le JAF.
point d'exclamation JF pour Jeux à faire, lorsque vous voulez me suggérer une production vidéoludique à découvrir sur mon antenne. Donc promis, je m'y engage, je vais me le coltiner et le découvrir avec vous, ne serait-ce que le premier opus avant les fêtes de fin d'année. Je me laisse quand même une marge d'un calendrier large. À savoir aussi, je sais plus si je vous l'ai dit sur mon antenne, je l'ai peut-être dit en privé, mais pas sur mon antenne. Je suis susceptible d'avoir une semaine complète de diffusion Twitch cet été. Ça pourrait être la dernière semaine de juillet, mais rien n'est certain encore. Je suis encore en attente de rendez-vous, moi personnellement, de fixer des rendez-vous importants. Mais je me réserve, on va dire, une semaine de complète de Twitch cet été. Et il est probable que ce soit la dernière de juillet. Enfin là, c'est peut-être que ça se profile à l'horizon là maintenant. Alors là aussi, j'ai hâte d'avoir le résultat des pronos à l'arrivée, parce que je fais de la mouise, mais je suis quand même curieux d'avoir les écarts. Enfin, la bannière est mise une minute dans le... Une minute dans la couche. Non, je suis quand même en... Ah bon... C'est honteux, je devrais dominer la course de bout en bout avec moi. Honte à moi. Et alors là, il faut croire que je pense au loisir, là. J'ai envie de vous faire un jeu, mais je ne pousserai pas sur Twitch. Je me mettrai directement sur ma chaîne YouTube archivée. Mais j'ai envie de vous faire un jeu d'enquête particulier. Je ne dis pas ce qu'il en est, je vous laisse la surprise. Je convoite un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je vais le faire un peu... Alors pas en jeu de rôle. Mais je vais délibérément essayer à la lecture de ce jeu qui est pas mal littéraire avec des vannes, normalement il y a beaucoup d'humour dedans. Je vais essayer de vous faire, de vous simuler, on va dire, les voix des persos. C'est-à-dire que s'il y a une grand-mère, j'essaie de faire une voix de grand-mère. Mais... Ah mon petit, je vais te donner une petite pièce parce que tu vas aider à monter les courses chez moi. Et ça va me permettre moi en même temps de me taper, de me taper un délire. Mais... J'ai aussi ce projet là en tête à faire pour cet été. Reste à savoir quand je vais le faire. Quoi. Ça me tient à cœur, mais il faut que je me dégage du temps et les conditions d'enregistrement des épisodes. Ce sera déjà sous Windows, puisque sous Linux, malheureusement, mon micro ne fonctionne pas. Bonjour Adjay! J'espère que tu vas bien mon cher Adjay. Encore un tour et puis je vous lis dans le chat. Hein, j'ai remis le... Oh là là, j'ai pris mon bac à sable. Notamment. Si, j'ai envie de dire. Malheureusement, je ne l'ai pas. Oh! Ah, je l'ai entendu récemment celle-là, mais elle est bien. Oh là là, il est en train de me mitrailler de jeux de mots et de vannes. Oui, effectivement, ça me déconcentre. Aïe aïe aïe. Ah, il en a des bonnes. Mais faudra qu'il vous les fasse, Frobos. Oh là là, mais douce sur ces vannes, Frobos.
Il me mitraille de vannes et de mots. Je peux même plus vous les transcrire parce que mon cerveau suit pas. Voilà, une. Le bar favori des Espagnols, le bar Solon. Voilà, cette histoire-là, vous voyez, ça vous donne une idée de la tonalité des vannes qui vont me mitrailler à l'oreille. Bref. Il y a FunFan qui se marre derrière, donc ça n'aide en rien à la concentration. Bonjour cousin, bonjour Yul Saber. Alors, Twin Sense, assez particulier, pourquoi j'ai un micro-casque au niveau du visage? C'est parce qu'en fait, je suis en vocal avec FunFan sur son Discord. J'en ai pris le risque ce matin et je paye très cher, puisque ça bombarde complètement ma concentration en fait. Donc déjà, essayer de piloter en suivant un peu le chat, c'est pas évident du tout, mais je rajoute en sadisme, on va dire, enfin plutôt en majocisme, puisque ça tient qu'à moi, le fait d'avoir une vocale Discord via la tablette, c'est mon cerveau fond là, j'ai que des deux hémisphères, je devrais en avoir une troisième, on va dire, pour pouvoir gérer tous les... C'est drôle en même temps à vivre, c'est juste que, excusez-moi, je vous présente un truc complètement décousu. Voilà pourquoi. Ah là 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 là. Eh ben dis donc. Alors attendez, je vous relis dans le chat. Eh ben du coup, on va peut-être basculer. Alors je propose, on va peut-être basculer de Gran Turismo à un jeu en commun. Puisque AJ Adorable m'en avait parlé hier. Là, je reste ouvert, voilà, là maintenant, à ce qu'on se fasse un jeu en commun. Que ce soit le Tricky Tower, que ce soit le Worms Armageddon, ou... Le golf par exemple. Ah, t'es peinard chez toi et Jay jusqu'à 14h-15h. Wow. Bah à 13h il faut savoir que je rends l'antenne à FunFan, hein, parce que FunFan va faire son Indiana Jones. Et moi d'ailleurs je vous parlerai j'ai choisi ça hier soir avec FunFan. Je vous ferai dans le commentaire les anecdotes de tournage avec Harrison Ford sur les films Indiana Jones. Et puis peut-être que j'improviserai autre chose au-dessus dans le commentaire, mais ça va être sympa pour égayer la partie de FunFan à Indiana Jones. Alors attendez, il faut que je vous relise dans le genre historique du chat. Faut plus que j'écoute parce que Frobo est en train de débiter des vannes en cascade, ça me déconcentre à mort. J'arrive même à l'entendre quand j'ai le micro-casque autour du cou. Silence. Non ça va, j'ai déposé, j'ai encore fait. Allez, sérieusement, je vous relis. J'en étais où dans le chat hein? Tac, 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 tac. Oui, donc vous parliez technique, voilà. Moi, j'en étais où est-ce que... Voilà, vous parlez du Pokémon Go, du canapé, machin. Alors, Olive qui nous dit « Punaise, je suis à peine en week-end que j'ai reçu un appel d'une ancienne collègue pour du taf, mais c'est en centre-ville et vraiment, j'évite parce que c'est trop anxiogène pour moi. » Ah oui, oh là là, ma pauvre amie. Oui. Ok. Je vous salue un peu vous. Alors, tu sais qui me dit, à l'époque, j'avais aussi fait pas mal de fire en multi et c'est vachement bien aussi. Ouais, bah, enfin, je sais pas, je verrai. Mais là, je te dis, hein, fire, je connais pas. Check de réputation, c'est bien. Mais je m'en tiens, tu sais, à la pochette du jeu, la jeune fille qui a l'air vénère avec ses cheveux longs, là. Et je connais que ça du jeu. Donc, voilà. Bonjour Tomouf, j'avais pas vu ton arrivée depuis près de 10 minutes sur le chat. Excuse-moi Tomouf, j'espère que tu vas bien. Bonjour Tomouf, voilà, je suis en train de lire tout bêtement, voilà, de remonter mon chat. Olive qui a encore fait une belle prise, une truite à grosse tache de 2 kg, bien joué. Voilà, AJ qui venait de. Voilà, et puis mon cousin Yoli Saeba qui passe par un yacht. Bonjour tout le monde.
Alors pourquoi on n'entend pas les autres? Alors c'est normal, justement, je le disais, volontairement isolé qu'une scène les autres. C'est parce que j'ai le Discord depuis la tablette, alors que évidemment je diffuse sur Twitch depuis l'ordi. Donc ça me permet en fait d'isoler, c'est mon terme. J'isole les canaux audio. Non, vous auriez tout le monde sur Discord en train de papoter. Bon là, il y a principalement Froboz et il y a FunFan qui était dans mon oreillette, on va dire. Mais en même temps, la musique, moi qui parle, je pense que ça aurait été un énorme foutoir. Mais si on fait un jeu en commun, si Edge est d'accord pour qu'on joue dans quelques minutes tous ensemble, là, effectivement, je referai la bascule, je vous partagerai le... J'ouvrirai moi mon Discord sur Twitch en même temps. Et là, effectivement, on s'entendra à rigoler tous ensemble. Tu vas aller en course, tu me sèmes, ok. Oui, ah non, il faut pas me divulgacher, tu me sèmes, faut rien me dire. Mais toi, je me suis engagé, tu m'as bien vendu, enfin, tu m'as bien vendu. Je sais que ça te tenait vraiment à cœur que je fasse le FIR. Je dis pourquoi pas, comme je sais que de réputation c'est un bon jeu, et autant que voilà, je vais découvrir avec vous. Et puis vu le prix, le technique, vous voyez, mon ordi va pouvoir vous le diffuser, ne serait-ce que le premier opus, donc ok, ça remplit toutes les conditions, on va dire, j'ai fait vert pour le faire. Alors Olive Kitu qui dit, je reste un peu en lurk les enfants, je suis encore KO de la journée d'hier et mal partout. Oui mais relaxe-toi, t'as bien raison, y a pas de soucis. Merci à toi d'être là. Pas de soucis. Oui, donc, du coup, on voit mon ralenti. D'ailleurs, il faut que je boive. Il faut qu'il y ait bouve. Bonjour, Pape and Pape. En espérant que toi aussi, tu ailles bien. Alors, c'est la Mazda RX-7 qui m'a foutu un énorme vent. Du coup, je serais tenté de vous soumettre un sondage. Attendez voir. Je vais vous soumettre un sondage dans le chat. Pour qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat? Attendez. Ah oui, non, je vais prendre le clavier parce que je vais pas y arriver. Alors, question. On fait quoi? Donc c'est-à-dire entre parenthèses on continue. Ah, c'est la démocratie qui va s'exprimer. Éventuellement. En espérant que j'ai des joueurs avec moi. Enfin en fait, en gros je vais vous proposer, est-ce que je continue moi dans mon coin Gran Turismo 3? Ou je vais vous faire je pense 4 propositions de jeux en commun. A mon avis, je sens que vous connaissez, on va varier sur un jeu en commun. Enfin, voilà, on va faire jouer la pleine démocratie. Je suis prêt à faire ça aussi avec vous. Qu'est-ce qu'on peut se faire comment ça s'appelle le jeu chez Jaku? Ouais. Voilà. Il y a quoi d'autre que je peux vous proposer? Ah oui. Allez, je vous laisse 5 minutes pour voter. Ce que vous avez en préférence d'activité dans les prochaines minutes. Du coup, je réécoute un petit peu ce qu'ils disent comme annerie dans le Discord. Ah bah, il faut que je remette mon casque pour qu'il se taise. Ah, ils font des réglages techniques. Je les laisse faire leur réglage technique. Voilà. Alors, suivant, ce serait quoi la course suivante? Alors, une scène me dit Fear, c'est First Encounter Assault Recon ou Fear comme peur. Oui, oui, enfin moi je le dis, mais je vois bien que c'est fait exprès, c'est pour dire avoir la frousse.
Donc à mon avis le jeu va être bien nerveux quoi. Ouais ça va bien Pop and Repop, ouais c'est cool. Merci tout plein. Alors je regarde les... Ouah, j'ai déjà 3 votes pour du Worms Armageddon. Oh la vache. D'accord, donc à mon avis on va basculer sur du Worms Armageddon. 4 votes Worms Armageddon. Bon, j'ai compris. Rien que de voir ça, à mon avis, je sais pas combien vous êtes, mais à tous vous ruez sur du. Je vais pas aller au-delà, je vais pas sauvegarder mon lamentable championnat là. Mais c'est bien, on va rigoler entre bons copains pendant 2 grosses heures. Oh là là, le vote à la quasi-unanimité Worms Armageddon. Bon bah voilà, je vais quitter le championnat. Je vais rien sauvegarder de ce que j'ai fait, tant pis, c'est pas grave. Attendez, je vais juste prendre conscience en fait des championnats avec vous qu'il me reste à faire. Alors il faut que je fasse le World GT. Là j'ai les petites bricoles là. Ouais, j'ai quand même des petites bricoles quand même. Dans le Monster, le championnat japonais, les championnats constructeurs. Et voilà, là c'est les voilà, quand on voit le S jaune, c'est avec le permis spécial que j'ai dû verrouiller. Championnat des voitures de rêve, championnat Polyphony Digital, alors ça va être hyper balèze. Voilà, ils disent de même, les plus belles courses de chaque série. Le Lac The Win, voilà, c'est comme ça que j'ai gagné la celle que je pilote actuellement, la Mazda 787B. En gros, c'est 20 tours du Grand Anneau. Donc, c'était pas passionnant, donc c'est pour ça que je l'ai fait hors antenne. Puis moi, ça m'a pas mal relaxé. Et voilà, la toute dernière des courses, la plus balèze, c'est la course avec les Formule 1. La Formule 1 GT, quoi. Donc, celle-là, quand je vous la ferai... Je me souviens que même quand j'avais le volant pédalier, faire celle-là, c'était balèze. C'est vraiment... Alors la manette, vous allez me voir suer comme un malade, en concentration. Mais je vous le ferai prochainement, parce que finalement, il ne reste plus grand-chose. Il reste encore les courses d'endurance. Les courses d'endurance, j'en ai fait qu'une. Voilà, c'est le petit ovale. Tout le reste, j'ai pas fait les courses d'endurance. Mais j'avais cru comprendre que vous n'étiez pas super chaud que je les fasse en direct. Alors j'en ferai peut-être une en direct sur mon antenne. Et puis les autres, je me les ferai hors antenne. Quoi. Des fouloirs à l'occasion. Ah non, c'est quasiment que des votes à l'unanimité pour Worms Armageddon. Attendez, la vidange en gros pour me faire une idée. Oh non, ça va, elle est pas trop... Tiens, je vais me taper un délire pour vous, la vache de voiture. On va la faire tournoyer face caméra. Allez. C'est rigolo ça. Bon, bah je vais basculer vers du Worms Armageddon. J'attends même pas la fin du vote parce que vous êtes vraiment tous rués sur cette même proposition. Tiens, du coup, je suis en train de constater que certains font leur direct. Ah, c'est sympa ça. Tiens, ouais, c'est bien. Il en faut pour tout le monde des goûts et des couleurs. Alors, là, je reprends mon sérieux parce qu'il faut pas que je me loupe dans mes manips. Je vais... Bonjour et merci pour la fidélité, Foster Asta Gamer. Vous allez gagner ma tronche en plein écran. Attendez, voir. Ouais, là, c'est bien. Et je vais déclarer le Worms Armageddon. Alors attendez. Il faut que je retrouve l'orthographe précise du jeu. Minute papillon, que je me concentre. Je vais aller chercher carrément la catégorie Twitch. Il me donnera le bon orthographe. D'accord, ouais, c'est avec 1G et 2D. Bon bah je vais me copier-coller. Donc voilà, je vais vous déclarer le Worms Armageddon. Hop là. Hop là. Donc on est sur PC. Je vous préviens... Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Et je vais mettre sur l'ordi... Bah symboliquement, il faut que je prenne mon Discord à moi en déclarant que je suis en direct. Mais le problème, c'est que j'ai limité à 4.
On va être peut-être plus que 4. Attendez voir que je fasse mon inspection. Non, chez Fun Passion, je vois que vous êtes 4. Ou est-ce que je reste chez Fun Fan? Ouais, attendez, je fais une manip de son Discord. Et puis on se lance le Worms Armageddon. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voilà. Attendez, je vous dis à tout de suite. Il faut que je me déconnecte, moi. Faut que je me déconnecte du bazar parce que sinon ça va poser problème. Ah, j'ai une notification qui m'empêche ma déconnexion. Voilà. Voilà. Là pour moi c'est bien au niveau de la tablette. Quelques instants, je vous prie, s'il vous plaît. Alors, si je m'invite chez FunFan, attention. Attendez, pourquoi ça merde le truc? Bah. Ah. Voilà, ça aura mis du temps, mais ça finit par être bon. Donc, normalement, je pense que vous m'entendez. Par contre, vous, j'ai l'impression que je vous entends pas. Attendez, je déconne pas, je vous entends pas. Attends, je coupe la musique. Apparemment, vous êtes en train de parler, je ne vous entends pas. Comment c'est possible, ça? Ah, j'ai fait... Oui. Ça y est, je vous entends. C'est moi qui avais mis en muet Discord pour pas avoir les alertes. Pour une fois que j'avais le réflexe de couper les alertes Discord pour pas... Ça y est, on vous entend sur mon direct. Je vous préviens. Bonjour, bonjour à tous. Attention. Bonjour les copains. Et merci Forasta Gamer YouTube, enfin YT, pour l'acte de fidélité. Merci et bienvenue. Si ça vous gêne pour la communauté du sage, vous le dites. Et dans ces cas-là, je mets un casque pour éviter l'écho. Du coup, si ça vous Moi, gêne. Ça ne me choque pas. Mon retour a l'air d'être correct. Mais à vous de me le dire effectivement dans le chat s'il y a une gêne sonore. Mais normalement, c'est bon, je crois. Alors, ouais. Okay. Je vais lancer. Si Dragon Sky est avec nous, ah non, mais je crois pas qu'il a encore installé le jeu. Moi, j'ai même pas amorcé mon Steam. Je crois qu'il a pas démarré mon Steam. Moi, je peux pas héberger, tout le monde le sait, je suis... Attendez, il faut que je... Là, je suis sur le multijoueur avec FunFan. On a parlé et le sage. Et pourquoi as-tu mis le patch GG? Ça avait marché hier. Excusez-moi. Parce que je l'ai même pas démarré. Et donc le temps que je rejoins mes coordonnées... Pourquoi t'as mis un patch? Bah, c'est FunFan qui me l'a proposé, en fait. Ah. D'accord. C'était un patch qui permettait de tout débloquer, mais visiblement ça ne marche pas. Ah, donc, oui, pop, je suis navré, il y a un son aigu et en continu, et je comprends pas. J'essaie de le filtrer en l'atténuant depuis ce matin, mais je peux pas faire mieux. Je suis navré, j'ai pas changé ma config, je sais pas pourquoi vous avez ça. On l'entend un tout petit peu dans le. Enfin, j'entends tout petit peu dans mon casque le bruit aigu. C'est léger. Je suis désolé, hein, je sais que c'est une gêne vraiment chiante à donner la migraine. J'ai pas trouvé la parade, je reverrai ça plus tard. Je vais pas vous le faire en direct, hein, l'antenne, je suis navré. C'est bizarre, ça ne me faisait pas le week-end dernier, donc. Voilà, je suis un peu dépité, je suis désolé. Oui, je suis au courant du truc, mais tu as bien fait, Pop Memory Pop, merci. Mais figure-toi que grâce à Olive, entre autres, ce matin, qui m'a fait le retour à chaud de que ça n'allait pas, et même moi j'entendais le bruit strident en arrière-plan. J'ai vraiment atténué un max ce pépin là, mais j'essaierai de retrouver la perfection à ma prochaine diffusion le week-end prochain. Je ferai des tests hors antenne, mais pardon, je suis navré du souci technique. Alors ça y est, j'ai ma plateforme qui est en train de se charger. Ah mais oui, la bonne blague, Worms Armageddon, souvenez-vous les copains. Je l'avais lancé hier en étant sous Linux. Aujourd'hui, je suis sous Windows, donc il faut que je re-télécharge le jeu. Rassurez-vous, ah oui. J'ai la chance d'avoir la fibre. Re-Tomouf, bonjour Tomouf, pardon. On va y arriver, vous inquiétez pas.
Voilà, préparation des fichiers de Worms Armageddon pour l'installation. Honnêtement, d'ici 5 minutes à l'écran, vous aurez le signal du jeu. Et voilà, on va tous se retrouver en train de jouer comme des fous furieux. Alors, je proposerai pas qu'il dit, tu verras en hors antenne pour ce truc qui a pas l'air facile à régler. Bah, c'est surtout que je comprends pas d'où ça sort. Moi, ma supposition, c'est que techniquement, comme j'ai le microphone en USB et que l'USB se fait vieux sur mon ordi qui est vieux, bah, il fait peut-être quelque chose de perfectible à la captation des données, quoi, à chaud. Et que pas de bol, là, il me fait du Larsen, enfin du Larsen, un bruit strident depuis ce démarrage là ce matin. Peut-être que je vais redémarrer mon ordi pour le week-end prochain et par coup de bol, j'aurai pas le. Alors, pas la gêne. Tu ne veux mettre aucune option, mais est-ce que tu peux en mettre juste une seule, s'il te plaît? Oui. Alors tu vas dans toujours mon point, tu sais là la petite montagne, on va dire ça. Et est-ce que tu peux mettre, alors celui qui est en dessous du chiffre 5, tu vois, juste permettre l'affichage du temps restant dans la manche. Est-ce que tu peux le appuyer dessus, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Voilà. En fait, du coup, on va avoir deux chronos. Mieux d'avoir le chrono du temps. Le jeu finit de se télécharger, il fait 430 mégas. Je meuble en fibre en 2 secondes, c'est fait. Mais le temps qu'il m'écrive les fichiers sur le disque, ouais. Merci. Il me dit qu'il est au 2/3 et juste derrière il y a la phase installation. Du coup, Edge, ça va nous faire. Je vais capter une fenêtre de jeu, je vais pouvoir vous les mettre sur mon direct et vous aurez pu maintenir. Du coup, on a l'impression qu'il nous entend pas, le seul, c'est bizarre. J'aurais fait les choses strictement en propre sur Twitch, ouais. Je me serais de manière intermédiaire là maintenant déclarer un just chatting, mais bon. Tolérant, je vous prie. La transition va pas durer plus d'un quart d'heure. Non, je plaisante. Du coup, ce que ça va faire, c'est que en faisant cette option là, on va avoir deux chronomètres. Je s'installe. Bon, du coup, on aura une option, tu sais, les 45 secondes pour faire notre tour. Et les 15 secondes qui sont en dessous, c'est le temps pour la mort subite, tu vois. D'accord. Donc toi, tu as mis comme mort subite, tu as mis d'énergie. L'installation. Merde, on arrive à un point, mode classique. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ouais. Merde, je vais revenir. Pas grave. Ah là, normalement, je devrais pouvoir jouer à Worms Armageddon. Alors, est-ce que je vais avoir une petite ou une grosse fenêtre? Parce que hier, sous Linux, j'étais impressionné, j'avais une petite fenêtre, et en fait, je jouais sur un tiers de l'écran. Là, il me fait un plein écran, là, par exemple. Bah voilà, une preuve de plus si que si je suis une petite tour de fenêtre, à mon avis, vous pourrez obtenir un beau truc. Attendez voir que je fasse des tests. Si je fais ça... Alors, attention, là, je vais commencer à faire des changements, vous savez, de plan, comme on dit. Vous voyez, si je vous fais ça, voilà, là, ce serait l'idéal. Si je mets le jeu, est-ce que vous le voyez bien? Oh, nickel! Nickel! Mon souci, c'est que je vois plus mon chat, par contre. Et le souci, c'est que nous, on t'entend pas. Tu nous entends pas. Je vais mettre mon chat impérativement au premier plan. Je vais faire ça. Ah merdoum. Attendez. Petit chien. Je veux absolument voir mon chat. Si je ne vous vois pas, je peux pas interagir avec vous, je vais triste. Mais merde, il me remet mon retour en plein écran sur l'écran secondaire. Donc ça me masque le chat. C'est chiant. Elle peut pas s'abaisser la fenêtre et rester abaissée. Je suis quand même. Message de FunFan1992. Le sage, tu nous entends pas dans la voc. Si, j'entends un peu vos voix, mais je vous avouerai que je vous écoute pas, pardon. Tu disais. Ah ouais, tu nous coupes la parole. Oh là là là. Excusez-moi, privilège du diffuseur. Allez, oui. Je vous écoute, dites-moi tout. Ah non, mais c'est. On t'attendait en fait. Merci. Non, c'est juste que j'expliquais un truc à Etché, mais il a compris. Oui, t'inquiète pas. Je suis en train de chercher pour. Joue en résolution native le jeu, parce qu'un tout petit écran de 640x480, c'est un peu dommage. Ah, moi j'aime bien mon rendu. Pour normalement vous voyez bien. Ah non, mais pour moi sur mon ordi, hein, je veux dire. Oui, merci de préciser, Froboz.
Est-ce que tu pourrais mettre la map désert, s'il te plaît? Elle est très sympa, cette map. J'arrive. Avec des chiens. Attendez, j'éteins ma console. À faire des économies de jeu. Attends, t'as dit laquelle? Désert. Ah. Celle-là. Ouais, elle est très sympa avec le chameau, la pyramide. Oh, mais quand j'étais petit, je devais avoir ton âge. Non, je vais être même encore plus jeune. Mais c'est, ça me faisait rêver, cette map. J'en ai les frissons de la revoir. Ah, ça me fait un truc. Elle est atypique. Mais vraiment, il y avait même une mission dessus. Une mission où tu devais récupérer une caisse qui était au milieu des pyramides. Ah, c'est... Coucou. Pour moi, l'avantage, c'est qu'on voit ce que fait le stage, on va pouvoir le guider. Voilà. Oui, alors du coup, j'ai le câble qui va me faire suer. Le câble. Le stage, il est dans partie time, mais il n'a pas ta partie FG. Ah, il faut actualiser. Attendez. Est-ce qu'il a pas twitchalisé? avec oui, tous c'est ces... vrai qu'on a fait les tests, moi j'étais sous Linux hier, oui. Mais comme là maintenant je suis sous Windows, j'ai peut-être un truc qui m'en kikine. Attendez. On est bien d'accord, hein, party time. Oui, party time. Pourquoi je vois que Alkindi... Ça y est, peut-être qu'il faut que tu relances, je sais pas. Pourquoi pas? Oui, rien ne m'interdit d'en lancer, on va voir. Attendez, j'ai relancé le jeu. Ah, je disais ça à AJ en fait. Ouais, ah, je vais relancer. Pourtant, moi j'ai pu revenir facilement dans ta partie, c'est bizarre. Ah, les joies de la technique. Ah, tu la vois plus, ouais. Juste faire un tour. Genre. Alkindi là. Important. En plus, c'est un gros noob, on peut même pas se connecter. Il est en partie du téléphone. Ah, pardon, on m'entend chez le stage. Oh. Bah, je vois Marco, je vois Fun, je vois Edgy Club. Ah, oui, ça marche mieux là. Le problème, c'est qu'il faut me donner le mot de passe et je suis en direct. C'est cool. Oui, mais il est masqué, le mot de passe. Ah, c'est toujours le même qu'hier soir. Oui. Bon. Ok, j'ai compris. C'est bien. Quand tu tapes le mot de passe... Il faudra que tu remettes ma... Ah, merde. Bon, il faut que je remette les noms. Ah non. Mais oui, puisqu'il a pas gardé ma config Linux, forcément. Puisque je suis sous Windows. Ah non. Comment je fais pour modifier? C'était drôle. Ah oui, c'était comme ça. Alors, bah vous allez voir avec moi en direct. Alors, l'équipe, ça va être ça joue pas. C'était sympa, c'était bien trouvé hier. Il faut que je retrouve des noms de mes verres. Alors. Oui. Peux-tu remettre. Ah bah c'est bon, j'ai rien dit, Par contre, pour la peine de mort, tu peux pas l'augmenter. You. Ah, you. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait tout ce monde? Il y a un stream piscine de monde ou. Non, non, pas c'est du ça. Tout, il y a direct chez le sage de Nancy, en stream, là. salut tout le monde, salut le chat. Je passe plus, pour pas qu'on se fasse avoir, attends, je fais. Ah bah attends, je vais aller voir. Alors attendez, je vous bascule pour que... Oh. Dans la boîte vocale. Ouais, vocale semi-ouverte, non, attends. Vocal stream, Vocal stream privé. Tu l'as appelé privé? Non. Ah ouais. Alors. Oh, je vais appeler. On va l'appeler comme ça. Oui, c'est mignon. Allez. Minuche. Alors, mon icône. J'aimais bien la vache. Ouais, il y en a plein des tombes différentes. Voilà.
Comme ça, au moins, personne sera surpris et tout le monde saura dans quel pied vous arrivez. D'accord. Bien joué, FunFan, merci. Du coup, le son est moins fort. Ça doit être... Nous sommes en direct. Allez, je vais être très vilain. Je serai une bouse à la mort de mes... à la mort de mes vers. Ça y est, je suis prêt. On va jouer à Worms Armageddon. Dieu jeu. Il faudrait que Frobos choisisse une équipe, du coup. Ah oui, excuse-moi, je suis en train de faire le... Je vous lis dans le chat. Okay. Donc voilà, hein, je rappelle évidemment, et j'y suis forcément sensible en plein direct Twitch. Je vous rassure, je vois mon chat dans mon écran secondaire. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous le souhaitez dans le chat, je vous lirai avec grand plaisir. Le sage, peux-tu te mettre en mode Einstein, s'il te plaît? Merci. Ah oui, 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 ouais, oui, pardon. Oh là, wow, le décor, mais les dessins, le graphisme, j'adore. Ah ouais, il est super ce jeu. Hop, c'est parti, ma première victime. Ah, comment c'est faire? Ah, mais on va taper dessus? Non, mais je m'occupe de toi. T'inquiète, y'a pas de problème. Ah, c'est mieux sur le chat. Bon. Bonjour Erika! Ah, ça fait plaisir d'avoir la visite de Québec. Ça va, t'as moins mal aux cheveux, ça va mieux. Alors, pour ceux qui connaissent pas dans la culture, dans les propos québécois, avoir mal aux cheveux, c'est avoir la gueule de bois après avoir pas mal d'alcool. Et c'est parce que c'était la fête nationale. Ah oui, il faut que tu engueules Étienne, lourd. Il a pris une équipe et il t'a mis dedans. Donc il te prend pour un verre. Ok. Ouais, dis, je t'engueule, là, c'est pas bien. Il m'a même mis moi dedans, hein, sans me... Mais je vais lui faire payer des droits de... J'ai mis tout le monde aussi. Tu sais quoi, tout le monde droit de mail. Chenapan. Ah, c'est comme ça que tu vas te venger en faisant des trouillards pour boss. Je peux dormir tranquille. Est-ce qu'on peut sélectionner son verre quand on a la main? Si l'option est activée, oui, mais il ne l'a pas activée. Ah, la musique est trop forte. Ah, la musique dans le jeu, peut-être. Non? Non, non, pas du tout. Ah, c'est bon. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça déjà, je pense. Merci de la remarque, Erika. Je m'en rends pas compte au retour. Merci, cousin. Merci. Ah, il est cool. Je suis content de revoir. Pour ceux qui connaissent pas Worms, en fait, là, il y a eu une stratégie très intéressante. Vous avez vu que le ver qui était entre les pattes du dromadaire ou du chameau, je vais pas compter les boss. En fait, il est en sécurité et il y a eu un effet. Saut à la corde, et en fait ça veut dire je passe mon tour, mais stratégiquement c'est très malin, ça permet de préserver en sécurité de manière isolée son verre. Voilà, c'est un peu stratégique pour ceux qui connaissent pas le jeu. L'arroseur a arrosé, AJ. De manière isolée le verre, donc le verre solitaire est un verre isolé aussi. Hein. Bravo, belle blague. Vilain luron. Ouais. Alors, on peut très bien rester planqué dans une zone, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il se passe l'action mort subite, c'est-à-dire quand la partie dure 45 minutes, 30 minutes, je sais plus, 15 minutes, automatiquement, le deal s'enfonce dans l'eau. Et tous ceux qui sont en bas, ils se voient. C'est un double tranchant. Voilà. Mais c'est vraiment bien passé, ce jeu. C'est le bon truc qu'ont créé les Anglais, c'est Worms et James Bond. Le reste, ils servent à rien. C'est pour ça que alors, j'appelle ça une vengeance. Je déteste les Anglais. Voilà. Retour à l'envoyeur. Voilà. Ça, c'est fait. Mais je m'en fous, c'est dans l'équipe des DJ. C'est une très bonne idée.
Ah merde, c'était AJ, c'était pas FunFan. Oh zut, je me suis fait piéger. Ah non. Ah non, je lui ai dit FunFan en gros et en fait j'ai tapé. Mais AJ, je te conseille de te venger. Ah ben la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi je suis la team bleue, moi. Comme le bleu de mes yeux. Même si j'ai les yeux marrons. Est-ce qu'il va bien viser? Achoum! Oh! Bien joué! Oh! Coup de ouf! Oh! Oh! Oh le plongeon! Ça va se payer! Comme le Titanic. Ça va se payer! Et il y a un trou dans le dromadaire! À la place de la bosse. Et de la tête. Et la tête, et la tête, et les jambes, je sais plus pourquoi. Oui, donc je reviens sur ce que me disait Erika là et mon cousin Rio, merci que vous m'entendiez pas à cause de la musique du jeu. Donc je prenais des nouvelles d'Erika en disant j'espère que tu n'as plus mal aux cheveux, puisque l'expression québécoise avoir mal aux cheveux signifie avoir la gueule de bois, puisque hier c'était la fête nationale de Québec. Donc voilà, je prenais des nouvelles d'Erika. Et pourquoi tu dis expression québécoise? Bah parce que Erika est québécoise. Eh oui, mais ça se dit en France, j'ai toujours dit ça, moi. Ah, moi, je savais pas. Ah, d'accord. Non, si, moi, j'ai toujours entendu ça, avoir mal aux cheveux, c'est la gueule de bois. D'accord. Ah bah, tu vois, pour moi, ça France, j'ai découvert hier, l'expression. Et venant d'un breton, ça peut être que certes. Eh bah, en Bretagne, on le dit, en tout cas. Un vrai, pas comme Chris Golgoth. Ah, oh, j'arrête, allez, la méchanceté, c'est pas bien. Bah, en tout cas, dans la région. En Bretagne, oui, ça se dit. Maintenant, dans les autres régions, j'en sais rien, mais en Bretagne, on connaît l'expression en mal aux cheveux. Pas étonnant. Ah, mais je l'ai souvent dit, moi, cette expression. Très, très souvent employée. Mais le sage, il peut pas dire j'ai mal aux cheveux. Ah bah ouais, non, voilà. c'est un autre problème. Et moi non plus, bientôt, je pourrais plus le dire. Ah, j'ai envie d'être méchant. Hein. Vraiment, désolé, Jacob, je voulais pas te viser toi. Ne te venge pas, ne te venge pas. Surtout pas le bombardement ou le missile autoguidé. Non, c'est une mauvaise chose. N'utilise pas le verre qui est complètement à gauche. Sur la map. Non. Et au rien, Québec, y a pas tant que ça d'expression. Y a juste coller, c'est tout. Oh bordel! Oh non! Ah oui! Bien joué! Oui. C'était limite! C'était fait! Ah, vous êtes. Oh, il y a une mine, fais gaffe! Le système du bouche, ça explose! Le système du vent est excellent! Ça explose pas? Bon, ça se fait! Oui, le vent. Parce que là, déjà, explosé! Par contre, celle-là, non! Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a des mines qui sont, désamorcées. Et elle a été, qui explosent pas, des mines défectueuses. D'accord. Et donc, celle-là, elle m'avait déjà envoyée. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire. C'est ça, je voulais faire, évidemment. C'est un bout de vide. Oui. 86 points, quoi. 86% des points de vie. Voilà ce qui arrive quand on confond les deux touches. Bien fait pour ma tronche. Mais si tu veux, AJ, je te ferai quelques entraînements pour que tu débloques des super armes, si tu veux. C'est comme tu veux. Ah, moi, il n'y a pas de problème. Je te montrerai comment on fait, et puis... Ta thèse Fall Guys est due, quoi. Non, pas encore. Faut que j'en une partie. Gâché. Moi non plus, j'ai pas testé. Oh, allez, gâché. Faut faire gaffe, cette arme, elle est pas très fiable. Vivement. Et du coup, ta Phobos, tu la testes, Fantôme, ou pas encore? Un petit peu, ouais, j'ai testé une demi-heure, trois quarts d'heure, et c'est très proche du 4, en fait. C'est juste les décors qui changent, je trouve. Ah bah oui, c'est une autre map, quoi. Bah oui, bah ça reste un jeu de voiture, hein. Le 4 est un jeu de voiture, le 5... Ça reste un Forza Horizon, voilà. Bah, oui, voilà. Et du coup, avec le Game Pass à 1€ de chez... j'ai eu 3 mois pour 1€, et du coup, j'ai pris l'Ultimate, et il y a... dedans, il y a le Cloud, et j'ai joué directement Cloud.
Ah ouais, toi tu joues au cloud direct, ok. Voilà. Et ça marche bien ? Bah ça marche plutôt bien, c'est un peu pixelisé légèrement, mais ça marche bien. T'as pas avec de latence, un petit latence, petite latence. Ah, tu sens la latence, mais ouais. C'est pas encore, c'est tout. Du coup, je fais avec la voiture, je fais des grosses droites et j'ai des fois je donne des coups. Du coup, je fais du chassé en zigzag quand je conduis. Ouais, ouais. Bah, après, c'est surtout le mode multijoueur qui est cool. Quoi. Ouais. Ah, bah oui. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas mal. Ouais. Être. Oh, les bruits. Pas le marteau piqueur sur la tronche, je n'ai pas. Yeah. Non, non, non. Si. J'apprends. Non. Écoute, si je propose un pack de non-agression, et vu que FunFan est très fort, bon, je peux pas proposer ça à IG parce que le j'ai pack de nancéen, je crois pas. Le pack de nancéen et on s'intéresse pas. Voilà. Le pack de nancéen germétique là, germétique. Ah non. Ah, comme c'est gentil, le sage. Je te remercie. Moi, je te dis, il faut pas faire confiance à Probos. Ouais. Tu vas voir comme il va te le rendre. Et en plus, j'ai dit, il faut pas faire confiance à Probos, et il te dit, ouais. Je te confirme qu'il faut pas lui faire confiance. Voilà, j'essaie de progresser dans la zone. T'as vu, j'ai pas que de l'agression, j'ai pas foncé avec le marteau piqueur ou une grenade ou... Voilà, je respecte. Je vais finir par faire un pack de non-agression avec Edge, moi, si vous commencez à faire des attaques. Ah oui, bah il va falloir, hein. Il va bien falloir. Vu que j'ai agressé gratuitement Edge, des alliances qui vont se former. Ah non, mais là, si vous voulez faire des alliances, on les fait de façon officielle, chacun dans les... Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Si on est chacun de toute façon, c'est un chacun pour soi, on finit par se... Même si on a une alliance, il n'y a qu'un seul gagnant, quoi. Ah, c'est à moi. Cousin qui dit j'aime l'idée d'un pack nancéen. J'aime l'idée du pack nancéen. Non, non, gentil, je suis gentil. Non, fun fan. Non. Et encore t'as la chance si t'as eu du mauvais côté. Ouais. Si tu veux faire un pack de non-agression, ben prends-toi souvent la gueule. Je suis impitoyable. Je sais pas si ça vaut dans le coup. Et encore, vous m'avez pas vu encore jouer le super mouton. Écoute. Ou alors. Je sais pas si. Non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Alors, le sage nous fait de la belle gymnastique. Ouais. Sortir la corde et hop, oui. Il va faire des. Oh! C'est pas pour me déplaire. 7 secondes! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais c'est pas grave, oui, ça va passer mon tour, mais. Ça me va. Je pensais pas que je pouvais grappiller sur le pilier. Le pylône. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais sauter! Oh, le réflexe du saut! Avec espace! Eh non, c'est rentré! Oh zut, le réflexe! Et du coup, il s'est traité de crétin. Ah bah oui. En fait, c'est le joueur qui le contrôle qui traite de crétin. Bah, désolé pour mon cri. Non. Désolé, je voulais faire peur à personne. J'étais juste surpris par la connerie que j'ai fait. Comment je fais pour monter ensuite? Faut que tu montes la flèche. Faudra que je t'entraîne aux caisses aussi. Punaise, il y a du boulot. Putain, arme de merde. Et écoute, elles sont pas claires. Non. Tu te prends mal. Quand je t'aurai entraîné, ben oui, évidemment. Tu seras une bête. C'est facile pour celui qui sait. Oh la vache. Oh là là, joli. Ça c'est violent, la violence. Ah moi je suis violent. Oh la vache. Prochain coup, je t'achève. Je battrai même Elo dans ce jeu. Pour une fois que t'es fort à un jeu. Oh, enfoiré.
Ah bah oui. Hein. Ah pas espace là. Là c'est. D'ailleurs, je voudrais un jour avoir ce contre toi, peut-être que je te battrai, l'eau. Hein. Ah ouais, ouais. Il n'y a que ce jeu que je suis à peu près de me démerder. Oui, oui voilà. Là, je suis le Haru, mais comme lui, il est que Biohazard, moi, je suis que Worms. Ça, c'est pas. Ouais, une... bah, les goûts, les couleurs, hein, comme on dit. C'est pas une bonne idée ce que t'as fait. Hein. Oui, j'allais dire. Non, mais Froba, c'est pas une bonne idée. Tu te mets en dessous de moi, c'est suicidaire. Hein. Ouais. Tu m'ouvres une brèche. Et je vais la. Et je vais la. Je vais m'en servir. Hein. Tu peux sauter là où il faut. Non, ça fait un angle. Et il y a un bon personnage. Faut utiliser la corde. Ouais, bah la corde. Hein. Faudra la rigider, la corde. Ta grand-mère. C'est ton dernier tour. Mais t'as de la chance, Frobos il a voulu que je règle avant toi. Oh non. Le mur qui me protège un peu. La mine. La violence. J'ai perdu 57 points de vie. Oh la vache. Maintenant tu pourras pas te cacher. Mm-hmm. Et après moi c'est terrible, hein, mais... Je fais ma taupe. Hein. Faut pas sauter là. Alors, la corde. La corde. Bon, pas trop. Non. Je sens la corde. Non, c'est pas ce que je voulais faire, oh là là. Ah non, mais c'est con à utiliser la corde. Non, c'est juste de maîtrise. Ah non, mais il faudra que tu fasses l'entraînement de la corde à sauter, tu vas voir. C'est... Et encore, vous connaissez pas toutes les astuces. Mettez-moi dans une map où il y a de la hauteur mais... et vous verrez que je vous fais des trucs. Fais entrer pour sauter, zut. Non, c'est bête. Bon, tant pis. C'est vrai que c'est pas pratique. Ça demande de la maîtrise. De la maîtrise. Il faut un peu la maîtriser, mais vous verrez. C'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il me veut, Dinoxine ? Faudrait que tu creuses un peu si tu peux pas utiliser la corde. Voilà. Oh. Oh. Tu peux encore te déplacer avant la fin de l'utilisation de l'arme. Un peu après un peu la fin. Mm. Et FunFan est devant au niveau des de la vie, ouais. Points de vie, ouais. Comme par hasard. Oh. Ou par âgé. Et voilà. Il croyait pas être bien en haut, t'es pas trop tant protégé que ça. Je n'apprends. Mm-hmm. Ou un petit tour dans l'estomac du dromadaire. Je mène les débats. J'influence les autres joueurs. Mm-hmm. Oh. Oh oui, un bombardement, ça c'est cool. Non, pas sur Marseille. Bah, tu peux... T'as le droit de briser le pacte de l'agression, hein, mais après c'est risqué péril. Il a brisé le pas. Ah, moi j'ai rien eu. Vous avez vu. Très bien joué le sage. Placé, hein. Par rapport au nombre d'attaques. Il a brisé le pacte, on est d'accord. Ah oui. Moi j'ai dit que c'est pas grave s'il le brisait. Donc ce qui va se passer, c'est que. Quand il fait encore jour. Tu sais qu'il va rien se passer en fait. C'est ça. Ok. La violence du truc. Ouais. Oh la vache, il reste 2 points de vie. Ben, hey. Alors, Edge, lui, chaque fois, il est la victime collatérale de tous les coups des autres. Je crois. Juste au milieu là. Il peut jeter la drogue.
C'était pas une bonne idée. Tu te suicides là. Tu t'es suicidé. Hein? Ah non, ah, ouais. C'est dit, punaise. 2 PV. Et chez Napa, on va être libéré. Mais tu nous as débarrassé de Paris. C'est pas mal. Ah. Oh merde, y'a plus qu'un air. Ah! Ah, comme c'est dommage. Hein. Pif. Raté. Pour l'instant, le sage est en tête. N'oubliez pas que vous avez le truc efficace, le bombardement. Contre les groupements des unités qui sont pas des vers, qui sont à ciel ouvert. Je sais pas si Hello voit le stream. Si, si, si. Ben, je vais vous montrer comment on maîtrise une corde ninja. À mes risques et périls, mais pas bon. Et là, il me faut une autre bûche. Alors, le sage réfléchit longuement. Ouais. Peut-être trop longuement, justement. Oui, bah, c'est pas grave si je passe mon tour. Ah, c'est passé. Ok, alors je vais faire un bombardement, moi, hop. Ouais. Bombardement. Ouais, comme par hasard, c'est moi. Pourquoi moi? Y'a personne d'autre à bombarder? Ah, t'es un pro, donc je m'occupe de toi. Il reste 2 PV. 2. Allez, vous êtes vraiment des noobies pour vous acharner. La prochaine partie, je vous prends tous les trois. Même si le sage, il a pas fait grand chose. Je vous prends tous les trois. Je vous prends tous les trois, sinon je joue pas. Allez, vous allez voir. Parce que vous voulez la jouer comme ça, ben on va la jouer de façon officielle. Alors le sage y réfléchit avec sagesse, et encore moi à tuer, et encore Bastos. Il y a le maire de quoi, de quelle ville déjà? De Marseille. Ah, il te reste 2 verres. Ah. Une idée. Oh, bah, je vais me planquer, tiens. Voilà, en protection. Zut. Bah non, pas zut, génial. Ok, alors je vais tenter la corde. T'as pas besoin de corde là, tu peux y aller en sautant si tu veux récupérer la caisse. Non, ça fait pas buter là quand tu vas larguer ça. Là, il faut que tu te rapproches plus. Non, je sais pas utiliser le saut arrière, désolé. Eh si, il faut juste que tu tournes. Touche arrière, retour arrière, c'est tout. Attends. J'ai quand même essayé la corde à prendre un petit peu. Ouais, bon, tu peux le faire à la corde si tu veux. Vas-y. Mais pourquoi quand le chose ça fait pas de retour arrière? Parce que il faut appuyer sur retour arrière. D'accord. Ah, j'appuie sur retour arrière, ça marche pas. Ah ouais, mais ça marche pas avec la corde. Avec le warm tout seul. Ok, tant pis. Oh. En fait, il faut que tu te mettes pas très loin du bout. Et après, c'est bon. En fait, là, t'es bien placé. Faut juste que tu tournes ton wand vers l'autre direction, un cran. Et après, t'appuies sur la touche retour arrière et tu vas pouvoir grimper. D'accord. Mais retour arrière, pour moi, c'est backspace. Et ça n'a pas marché. Tu sais, c'est la touche au-dessus d'entrée. Oui, c'est celle-là. Ouais. Là, elle marche pas. Avec la corde. Avec la corde, ok. Avec la corde, elle marche pas, désolé. D'accord. Je suis mal exprimé. Ouais. Non, c'est moi qui m'ai compris. Puis l'Imuron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire un bombardement. Elle est haute quand même. Et Jay, je crois qu'il te reste un bombardement. Hein. Ouais. Et achevez-le parce qu'il m'a achevé. Bizarrement, là, il n'y a personne pour l'achever, lui. Pas mal. Le plus grand utilisateur du chalumeau, c'est le sage. Là, tu tournes une fois un cran de la flèche de droite. Non, j'ai utilisé un truc flammier. Je vais m'occuper de
Ah non, c'est pas assez. Non, c'est nul. Je prends la corde. Ok, je prends la corde. Non, pas la corde. Bon, bref. Non, là, pas la corde. Ok. Super, je prends ça. Une fois la flèche de droite et retour arrière. Ouais, ah, tu l'as fait deux fois. Ouais. Il meurt entre amis, là, comme il faut prendre les copes, c'est ça. Non, l'autre. Deux fois, il faut double. Faut que tu fasses coup double. Voilà. Ok. Non, je te laisse évaluer les distances. Non, mais le problème, c'est que je. Mais non, il faut que tu sois à l'arrière. Hein. Voilà. Merci, Fun Fan. Ouais, ouais. Je récupère la caisse, puis voilà. Voilà. Bon, là, si je suis pas à l'abri des bombardements. Je sais même pas ce que j'ai récupéré en plus. Ah, problème de connexion. Ah non, c'est bon. Connexion. Ouais, bien, je suis d'accord que vous ayez des problèmes de cours. Ah, il vous reste une minute, les gars. Après, c'est la peine de mort. Hein. Donc, il serait temps que vous accélériez les choses. Bon, tu vas faire un saut sans tomber dans l'eau, Edgy. Le sage, tu peux achever ton petit-fils. Je te le conseille. Meurtre entre amis, c'est ça. Ouais. Un coup de bazooka, c'est suffisant pour l'éliminer. Attention, tu peux pas la mettre trop loin non plus. Il y en a qui font cette technique pour éviter les raids aériens. Ouais, même le jeu lui, il leur tourne. Ouais, comment qu'ils mettent la pression? Pas comme ça. Je vais faire ça. Tu peux descendre aussi dans le trou. Mais question, on peut être jusqu'à combien de joueurs dans une seule partie là? On peut en mettre 4. Après les fessés en même temps. Ah, c'est une grande portée, les dynamites à travers les murs. C'est pour ça que j'essaye qu'on soit 6, parce qu'on peut être au maximum 6. Ah. Bien que... Et... Ah, t'es mort, là. Non. Ah, t'as eu chaud. Tu peux... Mais on peut... Et bien, tu peux rajouter des IA. Hein. Ouais, ouais. Je vais faire ça. 12 IA, tu peux... Mais les gars... Non, pas devant Marseille, non. Si tu tournes la flèche, la poutre, attention, tu peux pas la mettre trop loin non plus. Tu peux l'agrandir, la poutre. Non, il faut faire un tour en... Non, t'es trop loin, à mon avis. T'es trop loin, ouais, t'es trop loin. Je vais un petit pont pour qu'il puisse monter. Qu'il va venir... Attention, mort subite, vous allez tous avoir une vie et la montée des flots. Oh merde. Oh mon dieu, non, c'est pas moi. Donc, en fait, avec la poutre, si vous faites un tour entier avec les flèches du clavier, vous pouvez avoir une version grande de la poutre. Et une vendoise pour Olive, une... Bien. Pour le moment, on n'a que des bonnes prises, Olive. C'est ton jeu de chance. Il serait temps qu'il y ait un éliminé, quand même. Ah, ça demande gagnante. Oh merde, je suis trop loin. Oh non, je peux pas m'éloigner. Il va faire l'explosion, je vais mourir. Eh oui, j'ai pris une caisse. Voilà, j'ai perdu. Et voilà, je suis éliminé. Oh zut. Ouah, la violence. T'as joué entre Bastos et Chenapan. Bon bah, un petit coup de roquette, c'est réglé, hein. Paf. Ouais. Si j'avais éliminé Edge, ça serait passé différemment. On avait toutes les occasions d'éliminer, mais vous n'en êtes pas occupé comme il fallait. Et après, vous pensez que c'est moi la menace. I'm going to kill you. Ouais, pas trop près, pas trop loin, ouais, c'est bien. On peut avoir un match nul. Voilà, ça c'est réglé. Ah, t'as été le premier à perdre un verre, mais t'es dernier en jeu. Ah non, faut t'éloigner. C'est match nul, personne. Ouais, faut s'éloigner. Et oui. En fait, ça marche pas. Edge, ton erreur, c'est que tu aurais dû utiliser simplement le petit pistolet, c'était suffisant.
Magnifique. On peut utiliser n'importe quelle arme à n'importe quel moment aussi. Plus trop fort. Tac. Non, moi je suis prêt. Oh, un château, c'est beau. I'm ready. Ouais. Une alliance. Oh, magnifique. Mais dis donc qu'il y a pas beaucoup de passages à l'intérieur du château, c'est vraiment en surface. Oh la vache. Oh, c'est... J'aime beaucoup. C'est très beau. Allez, soyons fous. Allez, c'est la fête au mot clé. N'empêche. Ouais. Non, pas non, Steve. Oh non, mais c'est violent. Encore, tu m'as pas fait. Déjà. C'est pas une bonne technique. Tu aurais dû utiliser le bazooka, tu m'aurais fait valser dans la dans le. Mais on apprend le jeu et tout. Si on veut savoir tout de suite quelle arme utiliser à quel moment, on n'a pas fini. C'est une petite arme que j'ai fait. L'alliance de Nancy. Ah bon? Je croyais que le pack de l'agression était terminé. Bon, je regrette. Ah oui, continue le pack de l'agression, ok. Bon, d'accord. Et puis il y a aussi EJ qui va s'allier avec nous dans le pack de l'agression. On va appeler ça le pack Tanky Fun Fan, hein, ce sera plus simple. Moi je vais signer un pack de non-agression mais avec le château. Je touche pas le décor mais j'élimine tout le monde. D'accord. Eric. Chez l'orange. C'est pas les vacances. Oh, c'est pas très sympa. Ah bah c'est oh la vache, ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est encore Fan Fan qui prend des. Oh la vache. 81 points de vie. Eh, je sais pas ce qu'il en pense, Hello, mais il est joli pour un jeu qui a une vingtaine d'années. Il est en 2D comme tu les aimes bien en 2D. Ouais. Non, c'est vrai, il a une belle idée. Oh, téléportation. Comment gaspiller son téléporteur? Bah il a une DA minimaliste, il a un peu une DA de... comment... Je vais pas dire stratégie, mais ouais, c'est un peu le même style de DA, je crois. Bon, j'attaque qui? Il y a deux personnages de Fun Fun tout à gauche. Ouais, comme... Ah oui, les bleus là. Ok. Ouais. Comme il y a deux. Allez, et encore moi. Provoque, tu auras juste avec ton compte. Hein. Oui. Oh zut, j'ai parti à 7 points de vie. Il est plus pressé. Ouais. Je note qu'il y a que le stage qui est fair play ici. Oh. Et juste qu'il veut pas abîmer le décor. Non, c'est juste que comme il est streamer, il veut qu'on garde une bonne image de lui. J'habite juste en face. Au revoir, Chenapan. Waouh, et alors je pensais pas que le bidon allait exploser. Il faut être. Oui. C'est bizarre qu'il n'y ait pas l'eau. Oh, regarde, parce que c'est un joli. Oh non, la caisse. Ah bah, elle est placée au bon endroit, ouais. Je pense que Nancy va prendre une bonne fessée. Ah bah, comment il a dégagé dans l'eau là. Ça passe ou ça casse. Dégage. Oh non. Oh non. Oh. Oh non, les points de vue en plus, non. Oh non. Le sage est gratuit, EJ. Et en plus, t'as des points de vie. Il est pas gratuit, EJ. Il est gratuit, le F-Fun Fan. Pardon. Oh merde, ce vent. Mais c'est pas possible. Oh zut. Oh zut. Oh, je pensais pas que le vent allait me faire un effet pareil. Oh la vache. Eh, hey, tu t'en sais tirer comme ça discrètement. Oh, ah ouais. Non mais j'ai pas de bol moi. Ah ouais, non mais c'est... Attends, moi je vais tirer sur...
sur Fun Fan. Ah, écoute cette musique, le sage, qu'elle est spéciale. Hein. Mmh. Je crois qu'elle m'avait traumatisé. Oh non! Je lui retire rien du tout. Oh zut! Ah oui, toute cette musique là, elle me faisait peur cette musique quand j'étais petit, le sage. C'est une musique d'égout. Ah non, mais j'imaginais qu'il y avait une sorcière qui torturait un mec. Oh la vache. Non, pas Paris. Non. Non. Non, ta grand-mère en kilt. Oh la vache. Retour à l'envoyeur, si je puis dire. Presque. Ah, la vie, elle est pour moi. La requête, elle est gratuite. Oh non. Il tape sa propre ville, le fou. Oh. Oh. Oh la mine. Vengeance. Vengeance. Oh bah, oh, lui, pas lui. J'étais un peu... Désolé, le sage, c'est une victime collatérale. C'était pas calculé comme ça pour te coincer. Vraiment pas. Mais ça m'arrange. Bien dire ce mot victime collatérale. Alors, hop, t'as mon petit malade, mais je vais. Je suis plus malin pour moi. Mais bon. Ah, c'est ça, parce qu'il y a les bombardements. Non, il n'y a pas les bombardements. Mais moi, ce qui me fait encore flipper sur la carte, c'est effectivement les mines qui sont sur les toits. Quand ça va dégringoler, ça, ça va faire. Alors, un effet domino. Là, je suis content cette fois, vous la jouez de fair play, ça fait plaisir. Voilà, protégé. Ouais, t'es à côté de moi, je sais pas si vraiment t'es protégé. Oh, une petite grenade qui tombe par terre. Faut que j'influence. Mais en fait, Basto, c'est de la même équipe que vous, quoi. C'est juste le nom de son Worms. Oh, c'est dommage. Et moi qui a mis les noms des gens. Ouf. Parce que en fait, ouais, non, franchement, je comprends trop rien en fait, qui joue quoi. Bah moi, je suis la couleur bleue, la couleur jaune, c'est Frobos, la couleur rouge, c'est EJ, la couleur verte, c'est le sage. D'accord. Et les autres, c'est quoi? Quel autre? Bah, par exemple, voilà. Vilain machin. Ah, c'est le vert, c'est le sage. En fait, il faut se fier aux couleurs, pas au nom des Worms. Oui. D'accord, ok. Même si oui, on... Oui, je prends la légende en bas pour porter sur les couleurs. Voilà. Voilà. Mais non, mais le vent que j'ai à chaque fois que c'est mon tour, c'est pas possible. Là, c'est le sage qui joue. On peut le savoir en bas à droite, le vent. Et pourquoi il y a deux rouges? Moi, j'ai un vent de fou à chaque fois que c'est mon tour. Peux-tu reposer la question, Allo? J'ai pas entendu. Ben pourquoi il y a deux rouges? Pourquoi il y a Fun Fan, Baston, c'est GM 3 rouges? Ben, en fait, dessous, c'est nos points de vie, en fait. Le point de vie de tous nos Worms cumulés avec les drapeaux. C'est ça la D'accord. question. Donc, celui qui a le plus, avec tous ces Worms, qui a le plus de vie, c'est EJ. Après, c'est Frobos, qui s'appelle le maire. Après, c'est moi. Et en dernier, c'est le... Ah, j'ai réussi à tuer un verre. J'ai tué un verre là en fait, je suis le jaune de le maire jaune de Marseille. Et là c'est EJ qui joue. Et donc chaque joueur joue plusieurs Worms alors. Voilà, exactement. Ah oui, d'accord, oui, mais c'est ça que je captais pour les mines. Et c'est au tour par tour. Voilà. Oui. Pour ça, j'aime bien les jeux au tour par tour. Ah, je déteste. Oui, j'ai pitié. Ouais, mais dans le cadre de Worms, c'est le mieux. Ils ont essayé un Worms Battle Royale sans les tours partout, c'est pas top. Non. Oh, ah bah c'est l'usage qui a pris cher. Voilà, parce que le problème du missile guidé, c'est qu'il est pas fiable. Ah mais j'ai visé au milieu, j'ai visé entre les deux. Ouais, mais il est pas fiable, il est pas fiable. Et puis il est pas très large. Le missile, il fait pas des gros dégâts de zone. Il fait pas des dégâts autour de lui. Je vois beaucoup de. Pas points. Mal, bien visé. Merci. Et le missile auto-guidé, en fait, il est utilisé. Ouais. Oh. Hop là, ça creuse encore plus. Tu vas me faire un trou pas possible dans l'arbre, toi. Ce sera un
trou d'arbre. Trou d'arbre. Le marteau piqueur, le sage, je voudrais pas dire, mais il y a un marteau piqueur, tu vas être en sécure. Oh, oh, je vois que c'est menaçant là sur Edge. Le sage est menaçant envers Edge. Oh my god! Oh my god! Ah mince! Et Edge, toi, si tu crois encore une roquette, toi t'es dans la flotte. Oui. Oh là là, oui, il va regarder. Ah, c'est très drôle, j'avoue. Alors attends, je vais faire la planche. Comment on fait pour faire passer ça le truc là. D'ailleurs, le Worms Armageddon de la des générations 2D, ça reste le meilleur Worms pour les fans. Voilà. Mmh, très bon choix. Ciao. Non, puis la pâte graphique, j'adore. J'aime beaucoup le style. Ouais, magnifique. C'est joli. La pâte artistique, tu veux dire. Ouais, ouais. La direction artistique, oui, ouais. Non, mais le mais non graphiste. Dans la... Ah, ça te retombe dans la. Ah, tu peux rajouter des secondes, hein. Si tu veux exploser 5 secondes plus tard. Pour appuyer sur 5 avant de lancer la grenade, comme ça fait 5 secondes, ou 4, ou 3, ou 1, ou 1. Alors, Fun, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se buter lui-même. Oh, merde! Oh le vent! Oh comme c'est dommage! Ah non, c'est bon, c'est pas grave. La mine! Ah! Tu te tires! Ah oui! Tu te suicides! J'ai raté! Mais si tu tires tout droit, tu vas te la prendre dans la tronche! Ouais, mais je pensais que j'avais assez. Parce qu'en fait, les grenades ne sont pas affectées par le vent. Faut le savoir. Ah! J'avais pensé que j'aurais fait assez de distance pour que ça tombe sur Edge, mais... Au sage de jouer. Tu veux mettre un petit coup de marteau piqueur, c'est rigolo. Ou tu mets une petite planche là pour pas qu'il passe. Tu sais, les planches que t'as mis tout à l'heure. Enfin, et donc c'est Phobos qui gagne en fait alors. Bah, donc en termes de vie, oui. Et tu sais, ils ont fait eux un truc de non-agression. Tu veux pas qu'on en fasse un hein? Oui, on peut faire ça. Oui. Oh merde, bon, on va être obligé de se rallier le sage. Nous pouvons faire ça, Ah oui, vous propose, oui, tout à fait. Non. Une fan, on peut faire ça. C'est une alliance de circonstances. Hein. V2 non officiel. Ouais, attention. On verra qui trahira. Hein. On a vu l'alliance germano-soviétique. On voit non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, ça a annulé le truc. Bah oui. Pourquoi ça a annulé? Parce que t'as dû appuyer deux fois sur espace. Le sage s'est mis dans son blocos, tranquille. Mon cousin qui me fait une piqûre de rappel, et c'est vrai qu'on y avait pas mal joué entre nous les années précédentes, on s'y était éclaté. Je sais pas si vous connaissez Scorched 3D, qui est un jeu gratuit. Vous pouvez le trouver encore sur Internet. Et en plus, il est multiplateforme. Enfin, multiplateforme pour PC, c'est-à-dire Linux, Macintosh et PC classique sous Windows. Scorched 3D du même genre. N'hésitez pas à vous y intéresser, à vous le télécharger. C'est un jeu libre qui est réputé depuis des années, Scorched 3D. Ah, il creuse. Hein. Zut! Mais bien vu, cousin. C'est vrai que j'y pensais plus. On s'est éclaté, on s'est fait des parties entre nous. Le jeu là, Scorched 3D, je vous le recommande. Hein. Surtout qu'il est gratos, ce serait dommage de s'en priver. Il y a des renforts, j'ai pas compris, crater renfort. Ouais, je sais pas pourquoi les Worms se disent et des renforts quand ils démarrent une partie. Ah ouais, il est en train de te protéger là. Oserais-je dire que je suis en train de vous poutrer? Moi je pensais que Fun Fan serait le premier de loin. Pas sur cette partie, des fois oui, des fois non. Désolé. Je suis vraiment désolé, il fallait que je le fasse. T'as fait un pacte de non-agression. Voilà. 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 Et des renforts!
Il y aurait des dents pour rejoindre ton ami qui affirme pas que donne une agression le fun, hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien. Mmh. Ouais. Malin. Zut! Malin. Malin le lynx. Ouais, bien joué. Hey, il veut vous déloger. Il y a toujours, hein? Plouf! Voilà, vous ne récupérerez pas cette bouteille, cette vie. Mais des fois, il existe vraiment cette stratégie de démolir des caisses et compagnie pour les téléporter ailleurs. Que du coup, il les renvoie. Et du coup, ça peut être bien comme ça peut pas être bien. Mais c'est une stratégie. Non, en fait, ce que j'essaye, c'est d'envoyer des grenades. Oh, punaise. Tant que je peux le faire, je le fais. T'es passionné par les poutres. Ah bah, je me la joue stratégie à ma manière. Hein. Non, et pop, je me souviens même plus que j'avais programmé ça. Je redécouvre mes commandes un an plus tard. Tu veux une confrontation, c'est ça? Du tout. Ouais. Le pauvre Reggie, il va être obligé de descendre. Ah merde! Hey! Ah oui, j'explique les trucs. Ouvrez-moi la porte. Oui, avait la clé. Un conseil, vraiment, n'utilisez jamais le kamikaze, sauf en dernier recours. Mmh. Ah bah, Reggie, c'est... Alors, à la fois, d'un côté, tu t'es protégé, mais d'un côté, pour attaquer les autres... T'inquiète. Ok. Il peut toujours se téléporter. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Le vent, ça va bien. Je vais tenter un coup. Est-ce que ça a marché, ton truc? Non, j'ai pas encore tenté. Je peux le tenter, mais ça met risque et péril, mais ça peut être intéressant. C'est le marteau piqueur pour aller tout droit. Mais je veux pas de marteau piqueur, moi. Mais si tu te mets juste au-dessus de moi, tu peux me donner des coups de latte, le sage. Attention à la mine. Oh non, mais... Ah zut, c'était le temps fini. Ah lui, on l'a oublié, lui, il se cache, cet enfoiré, là. Ouais. Ah, j'ai plus de... Ah, merde. Bon, tant pis. J'ai plus de chalumeau. Bon, Ouais, faut faire je sais pas. Armagnac. Oh, le vent! Non! Voilà. C'est beau en tout cas, inefficace, mais d'un point de vue artistique. Ah, on a perdu quelqu'un à la vocale. Peut-être Hello? Non. Ah, c'est AJ alors. Mais je suis là. Non, bah y'a quelqu'un qui était là ou quoi? Non, tout le monde est là, je sais pas, bizarre. Un espion alors? Et à un moment, j'ai entendu un truc, mais j'ai pas entendu. Ah, tu reviens en game. Bon, tant pis, je prends mes risques. Je vais chercher le maire de Paris, moi. Ah, je suis encore bon. Oh my god! J'ai le double dégât, sa mère! Hop, j'ai récupéré des vies! Oh, c'est vicieux! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Oh! Ah, dans le quête t'es guidé, quoi. Dommage, le double dégât, je l'ai gaspillé comme un proutine, mais bon.
Tête du sage. Ok, le sage, tu as déclaré la guerre. C'est toi qui l'as déclaré. Tu assumes les conséquences, le sage. Déjà, vous avez déclaré un pacte de non-agression, donc forcément, par conséquent. J'avais déclaré avec le reste du monde. Mais là, le sage. Bon, j'ai récupéré 25 points de vie pour me les faire chouraver dans une mine. Mais j'ai récupéré le jackpot. Ça, c'est très intéressant. J'ai creusé un trou. Creusé une tombe et je creuse encore. Moi, je vais m'occuper de d'achever le sage. Si on m'en laisse la possibilité. Oh, Rémis. Attends, j'ai récupéré quand même 3 caisses. Je suis pas mauvais avec Le sage, où est-ce que tu vois la mort subite? Non, pas le sage, Fun. Ouais, ouais. Où est-ce que c'est marqué la mort subite? En bas à gauche, parce que c'est le vent en bas à droite. Normalement. Ah, c'est les minutes. Allez, adieu le sage. Oh. Ah, tu m'as cherché le sage. Tu m'as cherché. Bien joué. Comment je vais faire maintenant? Tu n'as pas un allié. Ah oui. Je peux rien faire. Faire autrement. Comme ça. Pas le délire. Non. Oula, c'est dangereux ce que tu veux faire. Ça reste dangereux. Vicieux. Ouais. Il y a une caisse à outils à récupérer apparemment. Mmh. Ah, il va lâcher une bombinette dans le. Non. Oh non! Moi j'aurais mis plutôt une dynamite, mais une bonne idée. J'ai plus ma dynamite. Ah d'accord, autant pour moi. Bah sinon j'aurais mis ça. Ouais. Je voulais mettre au début, mais. L'alliance continue. Oh la vache. Alors moi, dans la caisse à outils, j'ai eu la marche rapide. Ça permet à ton Worms d'aller beaucoup plus vite. C'est pratique pour récupérer des objets. Quand le tour est assez court, ça peut être assez pratique, ouais. Et puis d'accord non plus, assis. Et Dieu, tu t'occupes de Paris, je m'occupe de Marseille, hein. Oui. Voilà, et après on s'occupe de nous-mêmes. De nous et même. Oh merde, je suis tombé, du coup j'ai perdu. Ah non, c'est bon. T'as eu chaud. C'est bien, c'est l'alliance des jeunes. Même si moi je commence à plus être jeune. Ouais, pas de soucis, mais elle dit qu'elle rate du monde. Voilà. Ce numéro du cirque. En plus, tu vas pas être avantagé, Frobot, parce que comme tu nous affrontes tous les deux, nous on est dans une équipe individuelle. On va jouer tout le temps le tour. Toi, tu vas être obligé de partager tes tours. Ouais, donc, mais c'est pour ça que. T'es pas avantagé en fait. À part te téléporter, c'est la seule chose que tu peux faire pour survivre. Hein. Parce que tu vas pouvoir riposter qu'un tour sur deux alors. Ouais. Ah oui. Et ouais. Oh bah je retourne dans le trou. Dans ton pouvoir. Hein. Ah voilà, je pourrais te tirer dessus. Ouais mais ça va être Paris qui va jouer là. Ouais. Donc tu gagnes un tour de. Alors se téléporter c'est où? C'est là où tu as le parachute à côté du parachute. J'ai trouvé.
Après, je te dis ça, mais t'es pas obligé de le faire, hein. C'est... Voilà. Faudra vous tuer à la fin, parce qu'il peut pas y avoir, il peut y avoir qu'un vainqueur. Ah oui, bah oui. Oula. On peut pas remonter, fais chier. Tu peux aller dans le trou si ça envoie ton worm sinon. Peut-être avec le double. Des dégâts de chute après, non? Non. Bon, tu peux pas faire comme ça. Oui, je laisse un tout petit trait, on dirait une route. Oui, c'est pas faux. Il a dit c'est pas faux. Comme personne. Non, mais je vais mourir en fait. Bon, officiellement. C'est nul en fait que je joue pas un truc sur deux, c'est abusé. Bah, t'as deux warps. Je crois que c'est ma fin, moi. Il va m'achever, Frobos, là. 50 points. Je pensais pas qu'il y avait des dégâts. Hop, je m'achève une crotte. La crotte de Nancy. Glace, ton univers impitoyable. AJ, va te débrouiller tout seul. Bon courage, AJ. Merci. Moi, je suis mort. Hein. Ouais. Il est à 100% de points de vie, AJ. Est-ce qu'on peut téléporter les autres? Oui, tu as deux téléporteurs, normalement. Ah bon? Téléporter un autre joueur. Ah non, tu peux pas téléporter un autre joueur. Je me disais aussi. T'aurais été abusé, quoi. 41 plus 10, ça fait 52. Ouais, 50. C'est la moitié. Voilà, moitié. Mais bon, j'ai deux actions. Hein. Non, non. Furé. Honnêtement, Paris n'est pas une menace immédiate. Ouais, c'est moi qui suis Marseille qui est dans la ligne de mire. Planète Marseille. Ah, ils sont très durs, Frobos. Ah, bien oui, joué, c'est bien. Fini. Merci. Oh là là. Je te ferai la peau. Ah, je maîtrise le double saut, attention. Oui, c'est bien. Bon, après, c'est AJ qui va gagner parce que je vais pas pouvoir. Vous ne faites pas comme, comme tout à l'heure un match nul, hein. Et l'arc longbow il fait mal. Mais quoi? Attends, la grand-mère, je sais pas utiliser, je vais utiliser un truc classique. L'arc longbow. Bon, je crois pas. Hein. Ouh, c'est pas beaucoup le bazooka, le lance-roquette. Lance-roquette. La caisse débile. Bon, bah, GG, hein, coup de fusil à pompe, j'ai fini. Bah. Je me souviens une année, parce que vous l'avez vu dans les caisses, chaque fois il y a marqué des petits commentaires. Il y avait une caisse qui s'appelait Noël avant l'heure, et un jour j'avais joué au jeu le 24 décembre pour me dire que c'était vrai. Non, fallait pas faire. Ah merde, c'est trop près. Ouais. Oh, je t'ai mal conseillé, pardon. Hein, tu sans ironie, sans mauvaise foi. C'est pas du non, tout. Non, mais je suis là pour expliquer. Faut pas le faire trop près parce qu'en plus tu casses ton double tir puisque tu t'as fait. C'est une grosse erreur tactique. Bah, je crois. C'est une erreur de débutant. Bah okay. C'est à dire que je pensais pas que voilà. C'est comme ça qu'il voulait utiliser. Et puis après j'étais pas enfin je pouvais pas me mettre trop de loin en fait. Sinon ça te bougeait pas. Victoire. Ouais, j'ai gagné. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il fallait s'en servir. Ouais. Bien joué. Ouais, Marseille a gagné, Fun. Tu mérites pas en fait. ça me fait une belle chance. Marseille qui gagne, on entend la Marseillaise, hein, c'est. Oh. Aïe aïe aïe. Et vert de la Manche, c'est le vert de Marseille, le maire de Marseille. Dégâts maximum en un seul tir. Moi-même, voilà. Le Bastos, le vert Bastos, voilà, avec
100 points de dégâts. Voilà. T'as fait 100 points de dégâts. Oui. Avec un tir avec quelle arme, je sais plus. RPG. Ok. Quand je redémarre une partie, il n'y a plus de pacte de non-agression, je la fais en fonction des circonstances. D'accord. Ok. Donc ça peut m'arranger. Non, mais comme ça, je te prends pas en traître, tu vois. Oula, comment je suis placé, moi. Je vois pas mon quatrième verre, quand il y a eu. Bah, on en a que 3 chacun. Ouais. Bah, parce qu'il a mis 3 verres. D'accord. Et sauf à une époque, pour certains, c'était beaucoup plus. Il n'y en a pas qui, mais on sait à qui je pense. Parce qu'on est en stream. Mais je suis en train de jouer. Alors. Donc en fait. Boum! Par contre, il y a un explosif juste à côté. Un baril. Oui, un baril. Tombé du ciel. Allez. Oh, c'est quoi ce truc? En fait, ça me perturbe le fait que t'as fun fan du vidéo. T'as fun fun? Ah non, c'est Edgy, Géo. Bah, il marqué fun fan, ça me perturbe. Ah, ouais, ça me perturbe. C'est une stratégie de. Non. Non, mais c'est. Oh, hommage à tout le Discord. Voilà. Oh. Bon, ça va, je donne pas de conseils, sinon tu vas mal le prendre. Mais je sais ce que j'aurais fait, moi. Alors, c'est un verre bleu. Ah oui. C'est FunFan qui tire sur Max. Sur lui-même. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est bien quand même. C'est Jake qui prend tous les coups, là. Ouais, c'est pas là où je voulais qu'il tombe, mais c'est sympa quand même. Ah, Dragon Trail, il est content. Eh ben, il met des voix en fous. Ah, t'as pas mis des dégâts de chute. Ok. Bon, allez, je monte mon agression face à... Je monte agressif vers le sage. Ah, le pacte nantien qui... Je vais le cueillir comme une fleur. D'ailleurs, à l'époque, quand le jeu était sorti, notamment sur la N64 et la Dreamcast, très cher à notre ami Probos, on reprochait au jeu de ne pas utiliser assez les puissances de la console, vu le peu de graphiques qu'elle utilisait. Vous pouvez les relire sur les... Oh oui, le strike. Comme oh my god. Oh non! Oh joli! Et oui, donc là, oui, mais comme je le dis, sur les jeux vidéo, les gens ils râlaient parce que c'était pas joli, mais en fait c'était complètement jouable quoi. C'était le plaisir de jeu. Voilà, c'est critiquer les graphismes là. Bien, c'est normal, les jeux. Il y a des jeux qui utilisent pas toute la puissance de la console parce qu'ils ont besoin quoi. Oui. Ah, ça marche! Nancy prend cher. Je dirais à Bastos qu'il a du skill sur le jeu en tant que vert. Donc oui, non, mais c'est pas ça, c'est pas les gens, c'était les testeurs. Les testeurs, ils reprochaient que le jeu n'utilisait pas assez la puissance des machines à l'époque. D'ailleurs, c'est un jeu qui est sorti sur 3 générations en fait. Il est sorti sur la PlayStation 32 bits, il est sorti sur la N64 64 bits et sur la Dreamcast 128 bits. Ouais, ouais. C'est marrant. Voilà. Et sur la Master Race, qu'on appelle le PC. Attention. Oh, je suis pas menti. Ouais, il fallait prendre en compte le vent. Oui, mais j'ai pris en compte. Mais j'arrive pas à... J'arrive pas. Bon, ça viendra avec le temps. Ouais, une petite dynamite pour Edge. Hop. Non, allez, j'ai déjà attaqué tout à l'heure. Remarque, il m'a tué un verre. Oh, je suis un peu rancunier, non. Allez. J'ai tué un verre accidentellement. Voilà. Ah, le fait que le verre soit tombé pile poil sur la mine, c'est un dommage collatéral. D'accord. Ah, les fameux dommages collatéraux. Ça passe. Il y en a beaucoup dans Worms, dommages collatéraux, bizarrement. Si tu n'étais pas tombé sur la mine, tu serais encore vivant.
Oh, le vol plané, Charlie, la mine. La mine. Oh, oh, bah elle a pas explosé. Elle a pas explosé la mine. Ça a pas déclenché la mine. Non, elle a fait bip bip bip, elle a mis... Ouais. Il y a des mines défectueuses dans le jeu, donc elles n'explosent pas. Ah, oh, c'est vicieux. Ah, je savais pas, j'étais persuadé que là, que ça allait gicler, mais méchant, quoi. Oh. Alors moi, j'ai un truc qui m'arrange pas, c'est que j'ai les trois verres à côté, ça, c'est pas bon du tout. Oh, il y a du vent là, attention, hein, Charlie. Moi, je suis pas trop utilisateur de... Qu'est-ce que tu vas faire? Non mais... Oh! Ouf, 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 ouf. Voilà, rentrez dans nos histoires, les gars. Hey, there! Ouais. Une fois, parce que des fois j'ai joué, vous savez, sur le réseau internet. Donc j'étais à peu près à la même position que Où est le sage, tu vois, un Wand qui était près du bord de la mer. Le gars, il avait presque plus de vie, et moi, j'avais plein de vie, et j'étais sûr que j'allais le massacrer. Il existe une option pour celui qui lance la partie, l'autre, donc en l'occurrence les pieds, où tu peux lancer immédiatement la mort subite. Du coup, ça fait qu'il a noyé mes Wands. Ah. Ouais, parce que... Attention, 5 secondes. Il a plus de pouvoir. Bombardement, bombardement. C'est comme ça. On n'a pas le bombardement tout de suite, je crois. Alors, denonce. Non, il y a un certain nombre. Il reste encore 3 tours pour le bombardement. Ouais, on attend la corde. Bombardement. Non. Joli. Non, pourquoi dans l'autre sens? Oh la loose. Oh, oh la loose. C'est drôle. Cette mine était parfaite. Furé. Juste ça à dire. Non mais on prend propre piège. Je vais me mourir maintenant. Ça me laissera le temps de régler le jeu pour me mettre en full HD. Je me fais... Parce que c'est la dernière partie que je fais. Non. Non. Ah bah Marseille il a gagné, on pouvait l'éliminer. Est-ce que j'ai perdu? Ah oui, j'ai perdu. Merci ah, je suis perdu. Avec nous, mon cher Frobose. De rien, bonne partie, merci, à bientôt. Ah, je vais juste faire des mamailles dans le jeu pour avoir la résolution HD. Bah, je reste en vocal. Pas de soucis. Ah. Ouais, mais tu pourras plus revenir dans la partie. C'est pas grave, on en fera une autre. Ouais. Ah. Juste que je vérifie le chemin. Il faut éliminer la menace. Oh. Ah. De vérifier la partie. Alors, je me demande qui c'est qui est rentré tout à l'heure parce qu'on l'a complètement ignoré. J'ai entendu du bruit et j'ai entendu dadad. Et ensuite, un quart de 10 minutes plus tard, dadam. Ouais, mais c'est. Discord, il fait un peu ça des fois. Des fois, on sait pas, c'est bizarre. J'adore. Oh le bordel. C'est le strike. Oh, il m'était offert sur un plateau celui-là. C'était trop tentant. Et t'as parti comme ça, ça va être un duel fun time de ça. Oh, déjà midi, bon app pour ceux qui passent à table. Ah, quoique. Dragon Sky, je sais pas si t'es encore là, mais il faudra que tu l'essayes avec nous le jeu. Hein. Tu t'es engagé, il faut le faire sérieusement. L'engagement, c'est sacré. Alors... C'est qui klaxonne là-haut? Ah, ok. Ah oui, il s'est engagé. Ah ouais. J'imaginais pas que ça ferait un tel résultat, mais j'en suis satisfait. Tu n'es pas... Je suis redoutable et redouté. Oh, bon app, cousin. Salade maison et bière pour toi. Oh là là. Ah oui, tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas savouré une mousse. En fait, j'en ai plus en stock des mousses. Et des mousses.
Mais comment tu sélectionnes les armes en fait? Quand t'appuies sur le clic droit de la souris. Ah d'accord, c'est quoi, il y a le truc qui est la barre qui s'affiche là, F1, F2, F3, machin, non? Yes, c'est ça. Mais putain, mais tu les vois pas les armes? Tu veux te rappeler par cœur quel truc? Oh non, moi je les vois bien, moi, je mets la grenade et tout. Après, tu. C'est peut-être la résolution du sage, alors je sais pas. Ouais, je pense. Bah, moi, pour des raisons pratiques, je joue en 740 par 480. Ah si, merde, c'est mal. Ah là là. Parce que quand tu cliques et que t'affiches les armes, Funfan, il y a écrit F1, F2, F7 devant aussi ou pas? Oui. Eh, parce que nous on voit que ça en fait, on voit juste écrit F1, F2, machin. On voit juste une colonne, on doit pas avoir tout l'écran. Ouais, je comprenais pas, je me dis mais y a pas d'interface, il fait comment? Et de deux! C'est un duel entre toi et moi le stage. Ah ouais. Ah là le coup, je suis désolé, t'es trop tendant, hein, si je peux en éliminer tout. En fait, oui, quand t'appuies, tu vois toutes les armes. Ah ouais, non, mais c'est ça que je comprenais pas, parce que moi je vois juste la colonne en fait, F1 et F2. Peut-être dû à la résolution du sage. Bah, le sage, il veut la jouer à. Oh joli! A plus Pomon Ripop, merci d'être passé, bon week-end! A une prochaine Pomon Ripop, merci! Oh. Wow. Il meurt ou pas? Je suis en vocal. Oh putain, il me vit! Il s'amère! Pour ça, tu mets une dynamite ou une mine, et puis après, bah. D'ailleurs, une astuce, quand vous jouez avec l'IA, n'hésitez pas à vous mettre à côté, l'IA ne tire pas sur ses propres verres. Donc, je préfère fuir plutôt. Non! Que... Bah, tout à fait, pour une vie, va pas se modifier. Oh, j'ai pris cher là. Oh, le merdier! Oh, le sage! Pas possible. Bravo le sage, GG. Ouais, bravo Nancy, vous êtes les meilleurs. Ouais, GG le sage. Je savais que ça me porterait préjudice d'avoir les trois verres à côté. Je m'étais pas trompé. Ouais. Ah, la Marseillaise encore. Merci. Je suis encore en train de faire les babayes, donc faites une partie sans moi. De toute façon, t'es parti. Oui. Ça, c'est plus qu'entre nous trois. Donc, Ouais, pas de soucis. Non, mais je crois que Funfan a des comptes à régler. Il est très motivé, là. Alors, j'en étais non, là. Je suis allemand. Un petit peu, quand même. Ok, on va faire comme ça. Donc en fait, j'ai pu mettre le chat en énorme en début de partie, il ne le faisait pas sous Linux, c'est marrant ça. Maintenant, en fait, sous Windows, il me fait ça, c'est bizarre. Dans le jeu, il est conseillé dès le début. La première chose à faire, c'est d'éliminer toujours les wands les plus près de la mer. Mmh. C'est déjà la première chose à faire. Tu n'as pas d'équipe, t'essayes de faire le ménage. Ça se sent qu'il y a plus Frobos. Hein. Ouais. Mmh. Ah, je suis là, mais je suis plus dans la partie de ma vie qu'un joueur. Oui, ça va plus vite. Extra. Pourquoi tu dis ça sans qu'il y a plus Phobos? Parce qu'il y a beaucoup moins de warmth sur le. Ah! Oui, logique. Oh, c'est la guerre, mon général! Ah ouais, le. Oh! Ah. Qu'est-ce que t'as fait pour le dégager à la flotte? J'ai même pas fait gaffe.
Ah ouais, c'est parce que le sage, il joue avec une résolution HD, c'est tout ça. C'est pas un jeu qui est fait pour la résolution HD, hein, pour être joué. Hein. Enfin, moi perso, je le joue avec les résolutions traditionnelles depuis que je suis petit, parce que j'ai toujours été habitué comme ça. Mais... Et allez-y, les gars, là, vous avez fait votre pack. Ouais, plaisir. Hein. Je te rappelle, LG, que si le sage y gagne, il a définitivement gagné, alors dis ça bien. Ah ouais, c'est celle-là de chanson qui me faisait peur avec la sorcière, là. Chromatisme de bonne panique. Ah ouais, ouais. On dirait qu'il y a un mec qui est torturé par une sorcière. Écoutez la chanson de Pierre, hein. Elle rit. Ah oui. Ah, quand j'étais petit, j'imaginais une sorcière. Et en plus, t'entends un mec qui fait oh, oh, oh. Pas sûr que... Ah non, mais j'ai jamais compris. Oui, oui, oh oui, magnifique. Oh, fuck that shit. Fuck that shit. T'as du mal que l'autre était défectueuse. Énorme. Moi, je n'agresse plus Edgy à partir de maintenant. D'accord. Je t'en remercie. Même s'il m'agresse. Parce que moi, je veux pas que le sage y remporte, sinon c'est la fin de la game. Merde, le con. Je suis nul. Il fallait voilà. Un peu plus fort. Et fais un coup. Et fais un coup. Ah, j'ai le viseur, super. Ouais. Vengeance. Qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas entendu. Vengeance. Vengeance, ouais. Vengeance. Ah. Ah putain. Ah mais c'était quand même du dialogue pour les enfants début 2000 quoi. Ça restait encore bon enfant tu vois. Dans... Et d'ailleurs je pense que c'est une femme qui a fait la voix des Worms mais j'en suis pas sûr. Quoi tu sais pas? Putain mais c'est inadmissible quoi. Pourquoi je peux pas tout savoir? Bah si c'est ton jeu préféré, tu dois connaître tout le dossier. Je me marre. Je crois que les deux mines sont désactivées, mais j'en suis pas sûr. Ouais, mais je suis bloqué. Alors le seul truc que j'ai à reprocher au jeu, peut-être, c'est de pas avoir des musiques pour les gosses. Mais sinon, pour le reste. Merde. Bah voilà, AJ, je t'ai dégagé. Merci. Mais c'est pas le but, hein. Ah, Pop, merci d'être passé. Et bonne journée, parce qu'il dit qu'il nous quitte. Bonne journée. Salut Pop et Ripop. Oh, je l'ai appelé moi Pop et Ripop. Je sais pas. Mais je crois que j'ai appelé Pop Ripop. Bon. Pas de Pop Pop Pop. Eh, hey, tu crois qu'il a un lien avec Popopo? Oh, y'a de l'idée. Ah,
Et tu, n'hésite pas quand tu es dans un truc comme ça, que tu es pas sûr, de mettre 4 ou 5 secondes. Tu risques rien à rajouter des secondes. Ah, mais, ah oui, mais bon, peut-être que mon pad. Enfin, pour les chiffres, il y a peut-être des activités, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah. J'ai peut-être pas fait gaffe. C'est les chiffres au-dessus des lettres hein, qu'il faut mettre. Ah, au-dessus des lettres ah. Ouais. D'accord. Des accents bizarroïdes. Ouais, moi j'ai utilisé de la droite, toute la droite. Si ça passe. Saltimbanque. Surtout que AJ, on devrait vraiment s'associer. Ça ferait du 3 contre 2. Mmh. Et même, je t'offre la garantie suprême. Si on élimine le sage, je capitule et je te laisse la victoire. La garantie suprême. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on ait une partie supplémentaire. Franchement, t'as rien à perdre. Sauf à pas me croire. Mais. Là, il n'y a pas de vent. Regardez, il n'y a rien sur la barre. Il n'y a pas de vent. C'est rigolo. Je vais aller chercher le sage, moi. Mmh. Allez. Et bien, tu t'es débrouillé que je sois pas une victime. Oui. Ah, tu me... Le roi de la grenade, c'est moi. Ah, oh, joli. Ah oui, tu maîtrises. Hey, des renforts! Oh, ce vent! Ok, c'est pas là. Je cherche toujours. Mais bon app, Dragon Sky, merci, ouais, bon app. Ouais, je t'ai dit, Dragon Sky, il faudra que tu joues avec nous un jour, hein. Parce que là, tu fais comme si t'entendais pas, mais. Hein? On a créé un groupe spécialement pour que tu joues avec nous, donc nous déçois pas. Et donc, tu nous dois 3 euros. Oh bah tu te fous. Bon bah. Bah moi j'ai envie de... Ah, est-ce qu'on tente le coup? Vas-y, pour la déconne. Ah tu vas avoir, être victime. C'est quoi le maximum? 5 secondes 5 secondes. Ok, c'est bon, vas-y. J'ai envie, ouais. Ah, j'ai hâte. Faudra que t'installes le jeu. Let's go. Bon bah... Là, il faut s'entraîner. Hein. Ça aurait été pour le sage, du coup. Faut s'entraîner. Le sage a gagné. Ah, c'est cool. Merci. Ça peut servir. Ah ouais, je comprends, ouais. Pour démolir des trucs. Il prend quelques dégâts. Non, il l'a déjà installé. Ok. Alors, les utilitaires, faut quand même. Non. Pas si. Faudra que je vous explique un jour les utilitaires. Hein. Ah, tu l'as déjà installé. Bah quand tu voudras jouer avec nous, tu le dis, Dragon Sky. Hein. Comme ça, on t'apprendra le jeu. Sur la mort. Ok. Je sais pas, j'ai tenté un truc. On voit ça. Faut tenter des trucs. Merde. Pas trop ce que je voulais, désolé. Mais il faut éliminer la menace, quitte à faire des sacrifices. Je comprends. Surtout que t'as un autre Worms, donc... Ouais. Ah ouais, je vois sur l'écran de mon téléphone, ouais c'est chaud. Par contre, tu fais le sage pour jouer dans cette région.
Bah ouais, le sage, je sais pas comment tu fais. Comment tu fais pour choisir tes grenades et tout? Il a peut-être un écran total, lui. Bah déjà, les grenades, j'évite parce que j'ai du mal avec le vent. J'arrive pas à prendre ce paramètre en compte. Il vaut mieux jouer en 640x480. Après, c'est peut-être le stream qui a une résolution. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, peut-être que lui, il voit tout. Hein. Ah oui, moi j'ai un plein écran. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai un écran plein écran 16/9, alors que moi je vous renvoie du 4 tiers. Donc vous avez quelque chose de tronqué. Je suis désolé. Ah non, mais moi ça me dérange pas, mais c'est juste pour vous demander comment tu faisais en fait. Ouais, d'accord. Non, on est d'accord que pour sélectionner les armes, c'est pas de tête. C'est un problème d'habillage de chaîne. Ouais. Après, c'est pas. C'est... Je pensais qu'elle était désactivée. Mon truc a marché, je suis content. Ah, parce que sinon t'as eu un prétexte pour perdre. Là t'as pas de prétexte en fait. Moi je serais toi, j'aurais dit que j'avais pas l'écran complet. Franchement, les jeans t'as gagné. Un petit point de pixel qui me fait suer là. Ah ouais, avec le mouton. Ne trahis pas notre alliance. Notre alliance compte sur toi. Alors, selon la direction du vent, elle est. Prends le parachute, Eddie. Ah ouais, le vent il est très bon. Prends le parachute. Oui. Et tu descends. Tu vois, le vent va te mettre du bon côté. Et quand je vais descendre, le parachute va s'activer automatiquement? Il faut que tu appuies sur la barre espace. Ok. Mais quand tu es en train de chuter. Voilà. Tu vois, c'est ce que je te disais. Et après, je te laisse la chute comme tu veux. Si. Mon arme favorite. L'Uzi. Uzi. Bien, en plus comme il a été coincé par le pixel. Ouais. Ah mais c'est vrai que j'avais repéré le pixel. J'avais peur avec le mouton que je me ouais ouais ouais. C'est moi-même, avec son point de vie, voilà. Bravo. Bien joué, bravo Eddie. Eddie. Bon, moi que l'un ou l'autre gagne, c'est foutu pour moi. Si je veux une partie supplémentaire, j'ai plus qu'à gagner, quoi. Ouais. Mais bon, je fais un poil les décans. Ah ouais, Paris, ce serait rigolo. Ouais, je veux. Ouais, c'est mignon. L'Arc de Triomphe. Bon, par contre, c'est là qu'on voit que le jeu est fait par des Américains, on voit les grosses frites. Et on voit la baguette. La baguette. Baguette. Oh, cette mine. Et... Ah putain. Le pauvre petit point. T'as le petit point. Ouais. J'ai la frite avec ça. T'as le petit imaginaire, je sais pas où je me la trouvais, mais... Alors, le stage, on a la frite? C'est ça. Donc, ah, je sens que ça va jouer avec le vent là par contre. Oh oui. Donc, mais non, mais. Il est mais... où le vent? Le vent n'affecte pas les grenades. Il n'affecte que le bazooka et les fusées. Oh bah, fallait savoir, merci. Bah, de rien. Donc, on a l'Arc de Triomphe, on a la pyramide du Louvre, la Tour Eiffel, le McDo. Hein? Oui, c'est très français, oui, bien sûr. Le... Je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi? C'est la truc qui a cramé il y a 2-3 ans, là. Ah, merde, comment ça s'appelle? Notre-Dame? Ouais, je pense que c'est Notre-Dame. Et après, des frites et des hamburgers pour représenter le bateau. Big M de la restauration. C'est la Belgique? C'est la Belgique des... Alors ça, je vais me le clipper pour moi, le coup de la truc qui a cramé. Sympa. Oh, comme il a pas le dingue.
Pauvre Bastos. Ah, bah, il a qu'à acheter le jeu et jouer avec nous s'il veut vraiment se défendre. Je sais pas si c'est son délire de jeu, Bastos. Non, il m'a dit en privé qu'il voulait jouer avec nous, qu'il appréciait le jeu. Ah oui? Il devrait nous rejoindre, tout comme l'ami Dragon Sky. Au tour par tour, ça va bien pour Dragon Sky. Il est monotache. Mais j'ai l'impression que plus on joue et plus le sage il progresse. J'essaie d'apprendre vite. J'essaie. Oh, il va se manger. Là, c'est ce qui est bien dans cette map, c'est que tu peux pas trop te cacher, quoi. Utiliser la forêt pour te cacher. On prend sa mouille. Mais c'est bizarre comment t'as configuré la truc. Que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'armes, c'est un peu chelou. Pourquoi pas. J'ai réussi, enfin. C'est bon, j'ai joué en full HD. Oh là, oui, c'est la violence. On te fenêtrait en full HD. Ouh! Je pensais pas que je t'aurais. Hey, there are four! Attends, je vous dirai dans le chat après parce que ça m'a joué. Attention à la mine. Attention à la mine, Joe. Ah bah oui, t'es habitué par rapport à Dragon Sky. Dragon Sky, c'est mais pour non ça que... Mais c'est une mine désactivée, mais c'est impossible. Je sais pas si tu connaissais avant Dragon Sky, est-ce que le jeu te plaît? Oh, tu vas en arrière, connard. Ah, tu t'es trompé. Mais j'ai appuyé sur la flèche gauche pour aller vers la gauche. Oh, j'ai le mini canon. C'est une arme de destruction massive. J'ai appuyé sur la flèche gauche pour aller à gauche, il va à droite. Des fois, ils sont pas logiques. Non, mais ça me saoule. Ouais, de deux, allez. Et quand c'est ton tour, t'as le droit de déplacer ton verre tant que t'as envie ou t'es limité dans les mouvements? Tu peux le déplacer où tu veux pendant le temps imparti. Ah, t'as un temps imparti, hein, parce que nous, ouais, d'accord. En l'occurrence, 45 secondes dans cette game. D'accord. Bon, ça, c'est... bon, après cette partie-là, je vais partir de 10 minutes parce que j'ai des trucs à faire. De toute façon, il est bientôt 13h donc. Oui, il est presque les midi et demi. Ouais, bah vous allez faire un peu. Pareil. Moi aussi, il faut que j'aille manger. Mmh. Je suis tout seul chez moi. Tu veux quoi? T'es tout seul chez toi, t'as dit? Ouais, je suis tout seul chez moi. Et tu vas faire quoi à bouffer? Je sais pas, je vais voir. Des raviolis? Non. De la purée? Ouais, non, moi, ça sera des pâtes. Bah, moi aussi, ce sera des pâtes. Bon, lui, il faut aller chercher un jour. Mais sans plus. Ah, mais sinon, ce que tu vois, t'aimes bien. Ah oui, le oui, c'est j'aime bien. Mais à l'époque, sans plus. Okay. Tu verras, on fera des parties sympas. Mais même le jeu est vivant, hein, de jouer ensemble, c'est. Ah, est-ce que je la récupère ou pas? Il faut prendre des risques dans la vie. La vie est une question de risque et de péril. Un arc. Un arc. Des arcs. Moi j'ai combien d'arcs? J'en ai 10. On en a plein des arcs. Et j'ai un mortier. Mm-hmm.
Là, ça me donne envie de frites quand je vois ça, moi. Ah merde, j'ai dû allonger le... encore que... Ah non, c'est pas mal. Mes frites. En plus, avec la baguette de pain, là, une bonne mitraillette, là. Des frites dans la baguette avec des steaks. Ah, j'ai quasiment pas fait de dégâts. Des trucs, c'est pour moi comme Josh. Ah oui, les fameux petits pois pourris de Josh. Moi, j'en mange des fois des petits pois carottes, c'est pas mal. Oh bah, oui. Les champignons, ça passe bien. Oh, bien joué. Alors, je pensais pas que je pouvais tenir en chute. C'est entre toi et moi, le borgne de mes deux. Bah, entre toi et toi-même. Parce que c'est Fun Fun qui est encore vivant. De toute façon, j'ai gagné. Oui, t'as gagné littéralement. J'ai 3 raids aériens encore que je peux te mettre dans la tronche. Oh, ah oui. Enfin, ne crions pas trop tôt d'avoir vendu la peau de l'ours, je sais pas quoi, avant de l'avoir tué. Ah, c'est ça, la peau de l'ours avant de le tuer. Avant de l'avoir tué. J'en ai quand même tué, hein. Mmh. Goodbye. Yeah, j'ai abusé, mais je m'en fous. Seule la victoire est belle, comme dit Christian Jean-Pierre. Et du coup, Phobos, dans les 500 jeux qu'il y a dans le catalogue du Game Pass, il y a des jeux qui te plaisent ou pas? En fait, c'était, j'étais en mode découverte, j'ai déjà fait le Forza Horizon 5 et les autres, j'ai pas encore regardé. T'as pas encore regardé, ouais. Non, non, non. Bon, bah, mine de rien, il y en a des cools, hein. Vraiment, il y en a des cools. Ouais, et en plus, il y est play avec. Une victoire. Ouais. Ouais. Attends, UA Play, faut le payer. C'est pas... Par contre, il y a l'IA Access avec. Voilà, UA Access. Ouais, beaucoup de jeux IA, quoi. Ouais. Bon, en fait, c'était. Pardon. C'était disponible en natif la résolution en Full HD. Putain, j'ai cherché pour rien, quoi. Ah. Oh la vache. Oui, parce que. Ouais. Là, je la connais pas de map. Donc, c'est quoi ? Bah, moi, je vais vous laisser. Je vais peut-être revenir après, mais pour l'instant, je vais vous laisser. J'ai des trucs à faire. Ok. Ah, faut que tu avec ton trainer Fall Guys aussi. On relance un serveur et puis tu nous rejoins, Frobose ? Oui, je vous rejoins. Je vais peut-être manger et je viens après. Non, le stage, n'oublie pas qu'on doit faire un stream, on est samedi. Oui, bah oui, justement. C'est par rapport à la réponse que vient de donner Frobose, bah autant quitter Worms. Ouais. Ah oui. Bah oui. Si tu veux le stage. Une demi-heure, si tu veux, je lance mon stream. Non, on va garder nos horaires et je fais mon tableau mystère dans un gros quart d'heure. Ah oui, j'avais oublié ton tableau mystère. Ouais, non, on garde. Mais là, si dans de manière affirmative, Frobose m'avait dit je fais une dernière partie d'un quart d'heure là maintenant. Mais bon, c'est voilà, c'est on va faire autre chose. Ouais, non. C'est pas grave. Là, je vais aller manger, ouais. Ouais, bon app. Vous avez bien oui, ça marche. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, bon app. Bon jouer. Merci. Ah, il faut que je te montre un truc. Hello. Je te l'envoie en privé, ça me fait marrer. Il faut que je te retrouve dans mes MP. En ce moment, j'ai trop de MP, moi. Voilà, regarde-moi ce qu'il a fait. J'ai pas compris. Réponds-moi. Ah, c'est pas pour gag, ça? Si, je crois qu'il lui a. Ils se sont fait une lettre ouverte, Gaps et... Oui, pour les dérives dans le JV avec les microtransactions, les NFTs. Que Gags, il est anti-ça aussi, donc. Il cherche du monde pour s'allier à sa cause, et ils veulent porter le problème, entre parenthèses. Genre rapporter le problème des microtransactions et tout, bien expliqué à l'État, peut-être pour faire des lois. Moi je pense qu'il rêve un peu, mais bon, je sais pas. Il a fait un live, il a dit que son jeu Wild West, là, je désolé si je me dis mal, Wild West, a un succès plutôt moyen, il a dit. C'est moyen. Oui, je sais, mais j'ai vu une vidéo de lui justement pas plus tard qu'hier de Gag. Ça m'arrive de regarder, j'aime bien parce que c'est un mec qui a taffé
Arkane Studio Lyon, et il a taffé aussi Ubisoft Annecy. Donc il sait de quoi il parle quand il parle de jeu. Bon ben résultat des courses, on a tous fait une égalité en fait, tout le monde a gagné une partie. D'accord. Pas de jaloux. Ouais. Bien joué, bien joué. Ouais, moment de frottement pour moi, parce qu'en fait pour un petit quart d'heure, je sais pas quoi vous mettre. De la musique, ou un film. Ou les clips. Pour ça que je t'avais proposé une démarre plus tôt. Ah, ou alors on fait le tableau mystère maintenant, mais on le fait tout doucement et on papote entre nous, c'est possible aussi. Oui, ouais. Avec Twinsen Mystère. Ouais, bah Twinsen, il passe quand même. Ouais, Twinsen, il cheat, il va tout voir sur Internet. Vous avez vu, j'ai beau être bon, je suis pas si bon que ça dans Worms. Hein. Vos alliances sont impitoyables. Ah, Funny Lalsum. Hop. Voilà, je vais mettre un Josh Shaki. Moi, en fait, je vais mettre le tableau mystère. Voilà. Et en plus, il va falloir que moi j'ouvre mon tableau de mon côté. Voilà, je vous laisse admirer le tableau mystère du moment. Le mystère du moment. Ouais, j'ai pas eu le tableau. Ce nouveau truc là que tout le monde parle, le warpisme. Concernant des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Oh, encore ce nouveau truc débile. Oh, vous m'avez donné 15 réponses. Oh vache, faut que je pointe 15 de vos réponses. Waouh, c'est bien. 15 réponses juste sur 7, hein? Je plaisante. Ah, c'est pas Spintel Cell? Oui, c'est ça. Le cartouche, je vous le relis, c'est le tableau mystère numéro 58 et il y a 7 jeux à trouver dans la composition graphique. On dirait Splinter Cell, le bonhomme avec un fusil dans le dos qui fait du je sais pas comment on appelle ça, quand on glisse sur une corde. De l'escalade. Non, quand on glisse sur une corde, c'est autre chose. Tyrolienne. Parapente. Tyrolienne, ouais. Non, parapente. Tyrolienne, t'as raison. C'est pas Splinter Cell. Ah. Ouais, c'était un soir. Et c'est vrai que ça ressemble vachement à Sam Fisher. Ouais. Ou c'est peut-être GoldenEye 64. Ah bon? Non, c'est peut-être trop beau pour la 64. Je reconnais pas le décor de GoldenEye. Ouais, mais le seul, il triche avec tout ce décor, alors. Ah, oui, mais c'est quand même possible. Le sage, il triche tellement qu'il serait capable de te mettre un motard sur un cactus et on pourrait croire que c'est le même jeu. Un motard sur un cactus, moi ça me plairait pas. Pas monter sur le cactus en moto, quoi. Enfin, ça pique un peu le derrière, quoi. Oh là là, mais il est redoutable. Il a trouvé toutes les réponses. Toutes, je sais pas, mais il y en a une première qui était balèze et il l'a trouvé sans difficulté, quoi. Il est impressionnant, ce garçon. Ah ouais, tu me fais. Moi, j'ai hâte de tomber sur un tableau où je connais d'entrée tous les jeux. Et je bombarde le chat et je mets toutes les réponses et... Ah oh oui, ça arrivera. Mais t'as déjà eu la bonne surprise hein, avec le toucher coulé. Hein. Ouais, le toucher coulé, franchement, j'ai dit complètement du pif et... C'était... Je connaissais même pas ce jeu, j'avais jamais joué sur ordinateur, mais... Mmh. Voilà. Alors moi, il me faut une info supplémentaire, c'est que moi-même, je ne connais pas les jeux que tu me proposes pour la plupart. Donc il faut que je révise mes noms de composition d'image, sans quoi je suis moi-même complètement largué. Bon, je vous rassure, il y en a quelques-uns que j'ai fait. On va dire que 10% des images que je vous propose, il y a un jeu sur 10 que j'ai, auquel je me suis quand même frotté et que je suis capable de reconnaître. Ça ne revient pas le truc qui tombe. 58. Alors, quels sont les jeux qui composent le 58e tableau que je révise? Ok, donc c'est bon. Oui, le Worms Armageddon, ouais, on le fera volontiers avec toi, Dragon Sky. Ce serait cool que tu nous rejoignes. Ouais. Ouais. Hmm.
bravo, tu es une scène, oh la vache. Ça y est, je déclarais déjà un premier jeu comme étant trouvé. En fait, c'est la phrase Brad le surfeur. Alors, tant pis, hein, je cache le surfeur. Le gros indice, c'était Brad. Parce qu'en fait, la réponse que j'attendais, c'était qui voulait la mort de Brad Penance. C'est le nom du jeu. Qui voulait la mort de Brad Penance. Alors, qui c'est qui m'a donné la bonne réponse pour ce jeu-là? Je regarde la liste des bonnes réponses. Il est toujours en stream, pourtant, même, dis-nous. Il n'y a que une scène. Oh la vache, bien joué, une scène. Ah, il a relancé un stream, tonton. Il est fou. Mm-hmm. Tonton, il vit que pour streamer. Hein. Bon, vivre. Vous avez bien raison. Tonton, c'est l'homme le plus hyperactif de Twitch. Ça c'est grave, elle sourit. Ah bah, c'est tonton, hein. Oh, il est en train, il est à l'extérieur, il bouffe. Oh, il y a des beaux bateaux. Mm-hmm. Et il a une belle casquette, tonton, hein, il fait rappeur. Hein. Alors, je regarde toujours bien. Tu vois, un petit Lozaï qui connaît tonton. De nom, mais j'ai jamais regardé. Oh, il est sympa. Mais hyper actif. Alors, je suis en train de lire tes réponses, tes propositions, fun fan. Je suis navré de t'annoncer que t'as tout faux. C'est pas les bons jeux. Putain, crotte de pique, bon sang de bois. Et encore une bonne réponse de Twin Sen pour changer. Oh là 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 là. Le jeu de tennis a été trouvé. Ah, le jeu de tennis a été trouvé, mais la question que je me pose, que j'ai pas encore vérifié, c'est ce que d'autres personnes l'ont trouvé. Moi je l'ai trouvé une fois. Oui, NG a participé et NG a trouvé. Bien. Ah. NG. Bon. Ah oui, NG, ah ouais. La personne qui voulait tout le temps qu'on dise bien son pseudo là. Oui, alors, d'ailleurs, faut pas que j'écorche son pseudo parce qu'il est nouveau pour moi. Vu que c'est déjà trouvé, est-ce que tu peux dire le nom du jeu du tennis? Ouais. Roland Garros, édition 1997. Tu ne sais pas trouvé. Ok, c'est pas Virtua Tennis. Ok. Non. Ça non, paraissait non. Trop ancien pour être Virtua Tennis, mais je vais quand même tenter le coup. Ouais. C'est bien. Faut tenter à l'instant. Alors, bonne réponse des deux. Tac, tac. C'est quoi? C'est un jeu de moto, ça? Ouais, j'ai entendu pareil aussi. On est d'accord. Ouais. T'as pas dit. Oui, du Canada, bien joué. Alors, tu me scènes encore 500 points. Par contre, il faudra que j'écrive en toutes lettres NG. D'ailleurs, Virtual Tennis 2, c'est un très bon jeu d'ailleurs. Mmh. Ah bah Virtual Pénis, ouais. Je l'avais fait en stream très très bien. Ouais, c'est cool. J'en suis où? C'est pas une règle qui disait que une réponse sur deux de Twin Sen, bonne réponse bien sûr, est donnée également au modérateur. Il n'y a pas cette règle là. Ça serait complètement pété ce genre de règle. On va être le but. Et un autre jeu a été trouvé par qui vous savez. Bon, je vous souhaite un bon appétit et je vous revois peut-être tout à l'heure. Et bon appétit bien sûr. Bon app, merci. Allez, salut. Ouais, bon app, bon app. A plus, à plus. Pardon. J'ai la flemme de me préparer. Ah, ouais, il faut que j'aille aussi. De toute façon, c'est... après, on va faire notre live commenté, donc on devra t'abandonner, Lou. Désolé. Mm-hmm. Non, mais de toute façon, je vais aller faire bouffer. Le vieux monsieur a été trouvé. Il s'agissait de The Dark Eye. Ah. La réponse que j'attendais, il n'y a que Twin Sen qui l'a trouvé. Je croyais que c'était un Harry Potter, le monsieur.
Il me fait penser, je crois, au Moldu ou un truc comme ça d'Harry Potter. Mmh. Oh la vache, il en a trouvé encore un autre. Ouais, bah en fait il prend tes images, il les met sur Google Images et il retrouve le truc. Ouais, c'est très probablement ce qu'il fait, mais ça marche, hein, c'est la règle du jeu. Hein. Ouais, enfin, c'est comme faire des jeux vidéo, regardant les astuces, quoi, y'a aucun mérite. Ouais, surtout les... Ah non, mais c'est un peu la vérité, quand même. Surtout les streamers qui font ça, c'est nul. Ah, ceux-là, c'est les pires. Ah, c'est des gros noobies. Ils sont même pas capables. Parlons pas de ceux qui prennent des guides, alors là... Hop, on m'en parle pas. Oh là là. Ils sont même pas capables de réfléchir tout seul et de pouvoir les assister. Ah, c'est n'importe quoi. Quoi. Mmh. Plus que c'était, hein, les streamers. Voilà. Oh là là. Non, plus, y a un gars, oh là là, ce qu'il a fait, il a repris le jeu Silent Hill 1, il l'a refait avec le Unreal Engine 5, c'est impressionnant. Il a fait un remake par rapport au jeu d'origine. Entre un jeu Unreal Engine 5 et un jeu PS1, il y a un monde. Bon, par contre, la gueule du héros, je comprends pas, mais sûr pour le reste, ouais. Xenophage Alien Bloodsport. Par contre, ça rend le jeu beaucoup plus beau, mais ça lui fait perdre son charme. C'est un peu dommage. L'original avait un truc un peu plus beau. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça, là, des démos avec un jeu. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu... Des fois, il y a des vieux jeux, tu les rends plus beaux avec les graphiques, mais... Je sais pas, leur laideur, leur pixel, tout ça, ça leur donnait un charme, et là, t'as l'impression qu'il y a une partie du charme qui est partie quand même. Je sais pas. Mais il y a que moi qui ai cette impression, je le sais. Quinsen et Froboz ont retrouvé Mortal Kombat 2, bien joué. Mortal Kombat 2? Oui. Ou l'espèce de monstre là? Ah, mais non, la map en haut, je suis con. Oui, la map du haut. Ah oui, putain, j'aurais pas trouvé Mortal Kombat. La map rose, c'est ça? La violette, ouais. Mauve, là. Tout ce qui est en violet, ouais, c'est, rose, violet, c'est oui. Une scène de baston de Mortal Kombat 2, en fait. Putain, ouais, d'accord. Ah, putain, j'aurais pas trouvé. Il m'a pas marqué, ça. Ah mais Carole, elle va reprendre. Qu'il y a deux jeux qui restent encore à trouver. Sur les 7, il y en a 5 qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque le mec avec le fusil dans le dos, et il manque l'espèce de chose très étrange vert sur une route américaine. C'est pas un Sniper Elite, le mec avec le fusil dans le dos, tiens. Attends, je vais relire mes réponses. Non. Non, non, je vois les deux réponses manquantes. Comment je peux vous donner un indice? Ça rappelle beaucoup Sniper Elite. Hein. Non, c'est pas la bonne réponse, mon pauvre Evan Sky. Bien tenté, mais c'est pas ça. Mais à mon avis, c'est un Sniper quelque chose. Mais bon, voilà, peut-être Ghost Warrior, on l'en sait rien. Mais... Je pense que ça fait partie des séries Sniper. Non. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous donne un indice et j'en donnerai qu'un seul? Pour quel jeu? Le mec qui a le fusil dans le dos ou pour la route américaine? Tu veux quoi, toi, Funfun? Ah, le fusil? Ouais, pareil. D'accord. Donc, je vais chercher une info sur le net pour essayer de vous donner un bon indice. Il y a eu un Tom Clancy et Warrior qui est sorti sur la 64. Je crois pas, hein. Je pense que quand Tom Clancy ça a commencé, c'était début des années 2000, c'était plutôt génération PS2, quoi, Tom Clancy. Moi je parle pas de Tom Clancy. Non, mais je vois la réponse de Dragon Sky. Mais ça... Ah putain, oui, d'accord. Ça m'étonnerait qu'il y ait une version 64, mais. Quoique c'est vieux. Ah ouais, il y a eu une version 64. Autant pour moi.
Ça serait pas du CSGO. CSGO, c'est vieux aussi. Counter-Strike. Global Offensive. Je sais pas, moi je suis nul en vieux jeu. Je vous donne carrément la réponse, mais je vais être généreux. Vas-y. Alors, l'indice textuel, je vous le prépare. Hop là, hop là. Je crois que depuis que j'y suis, c'est la première fois que je vois un tableau mystère sans Quinten. Ça fait bizarre. L'indice. Il fait une gamelle, je crois. Priobohi. De quoi ? J'ai pas entendu. L'indice est le suivant. Joseph Priboy. Ou Pribois. Oui, c'est vrai que c'est pas double point sur le i, donc c'est pas une voyelle isolée. Donc c'est Joseph Pribois. Le sage, toi qui as un poil plus de... Non, que toi t'as été là à tous les tableaux mystères. C'est pas le premier tableau mystère sans point de scène. Alors, maintenant j'ai le nom du jeu, mais. Je connais pas. Ça, c'est le premier tableau mystère de Twin Sen. Ah, sans Twin Sen, peut-être. Ouais. C'est Fandom Project EG. Project EG, non ? Je sais pas. Je te l'accorde. C'est ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Je connais pas. Je connaissais pas du tout. C'est connu. Alors, je rappelle le principe du jeu, mais exceptionnellement parce que tu es en vocal, normalement vous êtes censé faire point d'exclamation TM et prendre le temps d'écrire. Bon là je te l'accorde exceptionnellement, vous n'êtes pas censé me donner la réponse. Pas... Ah non, moi je jouais même pas, moi je dis ça comme ça, ouais, enfin oui d'accord, oui. Ok, ouais, bah, t'auras des points quand même. Est-ce que c'était ça? D'accord. Mais enfin bon, une fois que t'as donné l'indice, c'était pas dur d'essayer de taper le monstre. Hein. Bah voilà. C'est pour ça que je vous disais que c'était quasiment donné. Ah bah oui. Mais ouais, j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Je savais pas. Je connaissais pas. Tu l'as fait ? Moi non, non, non. Et comment tu trouves tes jeux en fait ? Tu cherches au pif ou... Je flâne sur les bases de données sur internet, il y a des sites spécialisés où il y a les jeux qui sont classés, si tu veux, par console, par date, par jar, etc. Et je chippe les captures d'écran de ces sites. Par contre, j'ai un regret, c'est qu'à un moment, quand j'ai commencé à élaborer, il y a un peu plus d'un an, mon concept de tableau mystère, j'avais trouvé un site excellent, où j'avais même les bornes d'arcade, où tout était archivé. J'ai perdu le référencement, enfin j'ai perdu mon index, j'avais enregistré le lien et je l'ai perdu. Je sais pas comment j'ai fait ma merde. Je me suis sabordé et j'ai pas retrouvé depuis, et ça me fait vraiment grave suer, hein, parce que c'était le site, c'était pas un site de référencement de tous les jeux vidéo, c'était le site, c'était extra, et je retrouve pas ce site, je suis dégoûté. Je sais plus comment j'avais fait pour tomber dessus. Et c'est la base de données où là j'avais quasiment tous les tableaux mystères, j'avais plus qu'à les composer les doigts dans le nez, et je pouvais franchement vous proposer des références ultra balèzes, sorties presque de nulle part. Il faudra que je retrouve ce site et que je vous recompose les tableaux mystères de ce truc, histoire de même bien faire transpirer Twin Sen, vous voyez. Ouais. Et bon vieux truc de derrière les fagots. Mmh. Ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Bien joué, le Gear. Tu t'es vu attribuer 500 points. Ouais, merci. C'était pas dur. Oui, je l'ai quasiment donné. Par contre, j'espère un mystère pour le week-end prochain. Le coup de la route américaine, à vous de trouver. Le prochain indice. Là, j'avoue que pourtant, des jeux de moto, j'en ai fait plusieurs quand j'étais jeune. Et celui-là me dit absolument rien. Il n'y en avait pas tant que ça non plus avant. Bon là, du coup, ça laisse 10 minutes de papotage. Tu veux pas prendre l'antenne avec 10 minutes d'avance, sur le fan, par hasard? Je vais au water et après je vais prendre si tu le souhaites. Vas-y.
Là, du coup, je reste en du chatting, hein, pour, pardon, pour 10 minutes, on peut pas péter en promo. Ouais. Toi, tu bouffes entre les deux, dans ton pseudo, mon pauvre Eloguir. J'ai pas mis les 666, j'avais dit que t'avais 166 dans le pseudo. Attends, je corrige ça tout de suite. Non, mais c'est pas dramatique. Ouais, si, ça, c'est en importance. Ouais, parce que si je choisis mal le pseudo, les points vont dans un nom qui est pas attribué, quoi, donc c'est débile. Mmh. Ouais, c'est bien ça. Comment avoir un blanc et un vide en direct? Parce que là, pour le coup, j'ai plus rien à vous proposer en 10 minutes à part le bavardage, donc si vous avez des questions, il y a des trucs à... Ouais, est-ce que tu vas bouffer entre les deux streams? Est-ce que j'ai quoi? Tu vas aller bouffer entre les deux streams? Je vais me restaurer pendant le direct de FunFan, c'est-à-dire que... Oui, te restaurer... placer ma voix, je vais me faire une joie de manger un morceau, mais je vais te confesser que j'ai pas spécialement faim dans l'immédiat, et je ne sais pas ce que je vais mettre sous la dent. J'ai quelques restes, mais je sais même pas si je vais les manger, parce que ça m'inspire pas, c'est assez triste. Mais là, j'ai pas faim. Pour moi, je suis encore en mode petit déjeuner, tu sais, à siroter mon café au lait que j'ai pas fini. Donc Ah oui. Ouais. Non, je sais bah pas, faut te motiver pour faire à bouffer quoi. Oui. Bon, je vais pas cuisiner. Là où je peux être certain, affirmatif avec toi à le dire, c'est que je vais pas cuisiner quelque chose, je vais pas aller au fourneau. Je vais me manger un truc déjà prêt. Je vais peut-être me croquer une salade. Je sais que j'ai une salade qui m'attend au frigo, c'est des trucs sous cellophane là, commerciaux, dans les barquettes. Ah oui quoi elle est. Je vais peut-être me becter ça, tu vois, pendant que je vais te commenter après ton fan. Et ça me suffira amplement. C'est pratique, quoi. Ouais. Tac, 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 tac. En tout cas, merci à vous d'être là. Et FunFan, il va bouffer des raviolis. Alors, je suis en train de mettre le micro. Non, FunFan, il stream, ça. Y a une question? Non, rien, on parlait bouffe. Ah, ouf. Moi je mange tous mes repas de midi depuis un petit moment. Ah, ah. Ouais. Bah en même temps avec la chaleur ça coupe l'appétit. Non, ouais, mais même vu certaines heures que je me lève, j'ai pas spécialement faim. Peut-être vraiment une perte du poids aussi. Donc oui, moi je vais me préparer. Bon oui, vas-y, commencez tout doucement. Ah oui, il faut que je te fasse l'appel en privé. Ah oui, c'est vrai. Alors, ah oui, du coup, je vais vous abandonner de la vocale commune et on va basculer en privé, FunFan et moi. Bah oui, forcément. Ouais, ouais, non, mais pas de soucis, de toute façon, moi je vais le faire à bouffer pendant ce temps. Bah, bon app, merci, Eloguir. De rien, bon app, tout le monde. Vu que je suis en vocale, je devais pas mettre FunFan, parce que FunFan, il m'a pas. Voilà, si je t'appelle. Là, le truc ne fonctionne pas. Le pauvre FunFan, il n'est pas prêt. Je suis en train de le prendre de court. Hop, voilà, je coupe avec Hello. Mm-hmm. Allez, je lance. Ah oui, bah, faut que je ressorte ma soluce pour te guider dans Indiana Jones. Regarde, j'ai vraiment l'impression qu'une scène n'est pas là du tout. C'est non, c'est rare de lui, mais ouais, il doit être pour son bon. Enfin, l'essentiel c'est qu'il aille bien. Ouais, je vérifie si j'ai bien mon retour, moi, parce que du coup, tu peux faire le raid si. Ouais, ok, je te le programme. Pour une fois, je mets pas l'icône raid, hein, vu qu'on m'entend en vocal, c'est pas la peine de... Ouais. Oh mince, ouais. J'ai oublié de changer le titre et tout. Ah ouais, je suis resté sur le merci à tous d'avoir été là. Attends, si je regarde mon historique de chaîne, merci à Photaras Gamer YT pour avoir suivi la chaîne.
Voilà, il n'y a pas eu d'autres événements. Merci à vous d'avoir été là. On s'est fait une petite patinée tranquille, pépouze. Donc là, on file chez FunFan pour du Indiana Jones et l'Atlantide. Moi, je ne rediffuserai pas du week-end. Je profite un peu de la famille. Donc, me concernant, je vous donne rendez-vous samedi prochain aux environs de 9h, hein, comme aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je prends au grand programme. Cousin qui dit à part Moto Racer, il connaît pas d'autres jeux de moto. Pourtant, il y en a pas mal des jeux de moto. Rien que sur PC, il y en a pas mal des jeux de moto. Mais c'est pas Moto Racer. Que dire d'autre? Que FunFan, là, on la retrouve tout de suite sur son antenne pour du Indiana Jones. Que tu feras différentes diffusions dans la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière l'ami Pop in Ripop qui a eu la gentillesse de. De faire un coucou tout à l'heure. Oh, je ne le retrouve pas dans les pseudos. Je vais faire sa pub juste avant le relais de chaîne. Je sais pas si ça marche. Oui, si ça marche, c'est bien. Voilà. Il diffuse de temps à autre pour Pop in Ripop, généralement en fin de journée. Et puis c'est assez aléatoire. Il fait ça quand il peut. Il fait un peu de tout. Ciao, merci. Merci pour ceux qui regardent sur YouTube. Bisous tout plein, prenez soin de vous. On file chez FunFan. Bonjour à tous, oui, du coup.